Et eh bien, salut à tous, comment ça va Salut à tous, bon lundi, j'ai l'impression que j'ai pas stream depuis... Euh... J'ai l'impression que j'ai pas stream depuis mille ans. Laisse tomber. Oh. Alors, qui est là On va regarder un petit peu, faire le tour. Ah, bah ça y est, on a officiellement, je crois, le plus petit démarrage. J'imagine que fin août, c'est... Euh... C'est un moment plus, plus calme. Très calme, même. On est 6. N'hésitez pas à faire un, une remarque dans le chat... Me saluer dans le chat tout simplement pour me dire que vous êtes là, ça fait plaisir. Fin août, fin août, c'est calme. Hein Pourtant, moi, niveau betting, ça ne l'est pas. Euh, par rapport à mon bet to invest d'ailleurs. Euh... Bon, ok, il n'y a toujours personne. Ouais, on stagne pour l'instant, mon bet to invest, hein. Enfin, on stagne. On est à 25,8 unités. Yo, Broken Files, comment ça va on est en stagnation. J'ai pourtant, j'ai bête, beaucoup en vrai. Même si j'avais, euh, pour on va dire, conseil de, de ne pas piquer tant, tant que ça, mais au final, j'ai pas pu m'empêcher de, de pique à chaque fois que je trouvais euh, euh, ce qui me semblait être un bête intéressant. C'est un peu swingé, mais là overall, on, on, est, on est sur du break even là depuis, euh, fin, depuis qu'on est passé en mode statut pro. Euh, voilà, mais on a on a six piques en cours là. Donc euh, voilà, hein, si vous voulez euh, suivre. Si jamais vous voulez suivre. En plus avec le code promo, les gars, vous avez 10% avec le code FRANCK. Attendez, je vous le mets ici. Tac. Pour tous ceux qui veulent me suivre, hein, je sais qu'il y en avait qui étaient intéressés, j'ai reçu des MP. Euh, voilà, vous avez 10% sur l'abonnement euh, pour tous ceux qui veulent me suivre. Hein, on commence ce stream par euh, la petite promo. Hein Et euh, et puis voilà, bon bah écoutez, là on est sur un stream très très calme. Hein. Ça l'est. Euh, nos offres blog. Bah vous savez quoi, aujourd'hui j'ai lancé le stream en me disant, enfin en me disant, je, je, je vous cache pas que j'ai eu des jours très très mouvementés, que ça soit, enfin surtout dans, dans, le, dans le perso, on va dire. Donc honnêtement, j'ai pas trouvé la tête à, à, à programmer mes streams, on va dire. Mais bon, enfin, ce qui est bien avec Twitch et avec les paris sportifs, c'est qu'on a toujours de la matière pour, pour faire, entre les vidéos YouTube, qui sont mémorables, tout le contenu YouTube, que ça soit de, de la qualité, que ça soit de la connerie dans les paris sportifs, que ça soit de, des reportages, tout ce que vous voulez, il y a vraiment, c'est vraiment illimité en termes de contenu, donc il y, a, il y a toujours des choses à faire, et il y a aussi évidemment, ce dont je suis fan, et que je mets toujours en avant le plus possible, Bet2Invest, qui est ben voilà la référence en tant que parieur, à mon avis, c'est un c'est un indispensable quand tu, tu cherches à rassembler les parieurs, les tipsters. Euh, C'est ce qu'il y a de plus sérieux au monde, clairement, euh, de par leur, leur bilan infalsifiable, euh, Voilà, basé par rapport euh, aux codes de pinnacle, enfin, toutes les ressources, que ce soit les alertes de code. Et d'ailleurs, je, je, je vous le dis, je vais commencer à faire... Euh, comment dirais-je les, les gros championnats ça y est, je, par contre, je vais les focus beaucoup plus en early market. J'avais pris un bet. D'ailleurs, j'ai pris en compte ta demande pour les analyses. On va faire en sorte que les liens soient cliquables aussi. On est en train de mettre en place un système d'affiliation. Tu recevras 30% du premier paiement des gens qui s'inscrivent et payent par via ton lien. Ah bah merci beaucoup, euh, Broken Files. Bah ça, ça fait plaisir. Je le mettrai euh, forcément euh, en avant. Merci beaucoup. Euh, ouais, c'est vrai, en fait, vrai que par rapport aux analyses de CQC, quand je, suis allé dans, quand je vais dans mes tipsters, et c'est vrai que CQC, il a pour habitude de, de faire des analyses, certaines analyses, en mettant des bilans, euh, en mettant des... Voilà, euh... bon, il n'y a pas d'analyse pour le coup. Euh, Est-ce qu'il y a les analyses dans les historiques Là, oui. Ouais, voilà, ça c'est le meilleur exemple. C'est de se dire, putain, que les gens puissent cliquer. a hein. d'ailleurs un très bon tipster CQC hein, qui, est, qui est actif. Euh, je l'ai suivi d'ailleurs sur le dernier match, euh, celui-là. Attendez, est-ce qu'il est encore actif Je l'ai suivi sur celui-là, ouais. Dé Défense, Défense et Rousticia, Je l'ai suivi sur celui-là, s'il y en a qui veulent le suivre aussi. Alors je ne sais pas combien est la cote actuellement sur, sur euh, Pinnacle, mais moi je l'ai eu sur un site annexe. Euh, je pourrais vous le dire, je, je, voilà, je vous le dirai en MP. Mais sur un Beaucor Argel, je l'ai eu même. Au même moment à 1,79, donc là j'ai su vraiment optimiser, on va dire, la value. Clairement, si, si pour lui à 1,67 c'est value, alors vous vous doutez bien que si moi je l'ai eu à 1,79, là c'est vraiment réussir à gratter bien comme il faut en termes de, de value. C'est ma main insane en vrai. Hein. Genre, je regarde vite fait, ouais, on est pff, ça gratte de minimum 6%. Ça tranquille, minimum, grand minimum, c'est 6%, 7% de héroïque cadeau. Voilà, d'où l'intérêt aussi de. Euh, de checker et de regarder où est-ce qu'on peut avoir ailleurs, évidemment. Pinnacle, c'est la base, c'est le socle, c'est là, c'est le seul book qui limite pas les gagnants. Donc, c'est impératif. ceux qui vont proposer en moyenne les meilleures cotes que, que tous les autres books en moyenne. Donc, c'est un indispensable. Mais parfois, il y a des books annexes qui te font des déglingues et il faut savoir en profiter. C'est à dire que là, pour le coup, je ne sais pas s'il faut, même sur le point FR, s'il faut, il y était ce, ce bet et euh, s'il faut, il y avait une value aussi sur le point FR. Je ne sais pas sur le drone en faveur de Defensa et Rusticia, mais avoir Des fois, ouais, même sur le point fr, tu peux avoir des déglingues, une cote mal ajustée, et tu peux des fois choper euh, aussi bien que Pinnacle, ou voir plus haut par moment. Et donc, c'est euh, ben voilà, c'est euh, c'est top. Donc moi, je l'ai suivi en 79. Euh, je vous avoue, moi, j'ai pas d'idée. Euh, vous savez que moi, par rapport à mes à mon travail dans les paris sportifs, mes modèles, je ne fais pas de. Enfin, euh, je moi, c'est vraiment des datas utilisées sur les championnats. Donc forcément, je ne vais pas prendre une équipe, par exemple là, qui joue en Argentine contre une équipe qui joue au Brésil et, euh, et checker mes datas. Euh, je, je pense que ça ne sert à rien parce que chaque championnat est différent, que ça soit en termes de niveau, que ce soit, je ne sais pas, en termes de tendance ou ce que tu veux. Donc forcément, c'est très rare que je trouve des values. Enfin après, ou alors du moins, il faudrait que j'y passe beaucoup plus de temps, quoi. Et, euh, et je n'ai pas le temps. Voilà, tout simplement. Bon, sinon, il y, y a qui d'autre dans le chat Merci à hein, Broken Face qui est là qui est une des personnes à la tête de bet to invest hein, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, alors, je regarde un petit peu qui est là, je fais le tour. Qui est là On est combien On est 6 Waouh, c'est le plus petit démarrage, vraiment. Ça n'a pas monté depuis tout à l'heure, et on a même perdu un follower. Putain, les mecs sont là. Euh... Bah écoutez, qui y a d'autres dans le chat Là, je vois qu'il y a Doud. Drapsnat, Drapsnat c'est peut-être un bot, kata, c'est peut-être un bot aussi. Natural Matragadical, je ne connais pas non plus. S'il faut, on est 6, s'il faut alors qu'on est que 3, hein, s'il faut. Parce que je sais que Dude est une vraie personne. Broken Files aussi. Et sinon, putain, incroyable. Là on est sur, euh, sur un stream. Euh, laisse tomber. Oh. Euh, tac, attendez, je regarde un truc. Donc, euh, ouais, tiens, bah d'ailleurs, je, je vais voir si je vous conseille de suivre ou pas. Allez, défense à Justicia Après, CQC, c'est quelqu'un qui va être pas évident à suivre dans le sens où. Merde, attendez. Non. Ah, voilà. Les cotes ont tendance à drop vite hein, chez lui. Quand il poste, hein, c'est quelqu'un qui a une belle communauté, euh, qui était sur Blogabet qui est maintenant euh, sur betwinvest invest Enfin, je crois qu'il garde les deux. Ok ouais bah vous voyez déjà 1.67 1.61 donc euh, bon autant vous dire qu'il faut éviter de le suivre, yo salut Doud. Ouais, là son tips à mon avis, vu qu'il l'a posté 1.67 et que c'est déjà 1.61, euh, ça fait quand même un, un certain écart. Je vous recommande pas de suivre cette cote-là, sauf si vraiment vous l'avez sur un book Horgel qui, qui propose... Euh, Enfin, qui le propose plus haut, hein, ça peut arriver. Clairement, moi, comme je vous ai dit, je l'ai suivi. Euh... Ouais, ouais, non, là, c'est plus c'est plus selon moi, c'est pas suivable. Alors, tout dépend si euh, si euh, notre tipster CQC argentin s'il estime que c'est vraiment une grosse value ou pas. Euh, je sais pas. Mais bon, après, euh... après, peut-être que je, je vais en parler avec lui en MP d'ailleurs, lui euh, lui dire parce que sur sa gestion de mise, enfin, je je la comprends pas. Enfin, au moins lui lui suggérer de de, au moins de, de, de mettre plus, enfin voilà. S'il si, si met voilà, entre 1 et 3, enfin il avait dit quoi Je crois qu'il mettait une moyenne de 4 unités. Euh, genre de lui proposer peut-être voilà, qu'il mette, bah voilà, si vraiment c'est grosse value, qu'il mette 8 dans ce cas-là. Euh, mais euh, ouais. D'ailleurs, il met combien Ah, il a mis du 2, du 3. Ouais, ça varie beaucoup hein, quand même. Hein. Ça varie beaucoup en termes. De, ouais, il met du 4, du 3, du 2. Ouais, il varie beaucoup. Et euh, sur ses 22 premiers bêtes il a pas de cul, hein. d'ailleurs on peut, on peut voir. Merde. Attendez, on peut voir qu'il n'a pas de cul hein, sur les 22 premiers bêtes. Enfin dans le sens où il est il est, il est... il est down. Enfin de pas beaucoup, mais. Bon après c'est que 22 bêtes évidemment, c'est que dalle, hein. mais clairement. Euh... Enfin lui. Euh... J'ai pas de doute sur lui. Ah. Et, euh, et puis voilà. Hein. Euh, alors, bah vous savez quoi, je pense qu'on va, va faire de la petite lecture d'articles du coup. Euh, je, pense, je pense que ça va être ça le problème d'aujourd'hui. Euh, D'habitude, le lundi, c'est on fait tourner la roue. Et là je vous avoue que je me sens pas, je me sens pas de faire tourner la roue, en plus on n'est pas nombreux. Donc ça donne pas envie, tu vois, ça manque de, hein, de punch. Qu'est-ce qu'on peut voir un petit peu comme blog Sinon, dude, ra raconte-moi ton week-end un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que t'as bête, comment ça s'est passé ah bah tiens, encore un autre qui vient une follow. Eh bah putain, ça l'aide. Putain, moi qui pensais arriver aux 1500, là on est à 1494 maintenant. Il y, y en a deux qui sont barrés entre-temps, tiens, incroyable. Euh... Alors... Attendez. Tac. Qu'est-ce qu'on va faire un petit peu Série de 8 bêtes gagnantes, semaine dernière, 8 bêtes gagnantes d'affilée, j'imagine. Ah bah les belle. Yo, Serge Abitbol, putain, comment ça va Comment ça va du côté du média parieur tiens On va aller voir le média parieur. Comment se comporte la page J'ai vu que quelqu'un avait un souci là. Euh, je l'ai vu. J'ai lu au réveil. J'ai vu que quelqu'un avait un souci sur, sur un book. Euh, je ne sais plus lequel. Je ne sais plus lequel. Euh... Ah putain, j'ai vu un tout passer sur mon... Ah, j'étais en vacances. T'as fait quoi pendant tes vacances Moi, les gars, je pars en vacances. Euh, début septembre putain en plus en plein début euh, j'ai remarqué oh yes on va envoyer des gros projets pour la rentrée ben cool serge à Beatball, ça fait plaisir hâte de savoir euh, hâte de savoir ce que tu vas faire euh, si tu voudras en parler d'ailleurs euh, lorsque ça sera lancé tu, tu seras le bienvenu ici oh t'étais à cannes ah ben je connais bien Cannes, moi qui viens de sainte maxime c'est pas loin ça 45 minutes de chez moi en voiture 50 ouais, ouais. c'est comme ça Euh, ok ouais bah c'est cool ouais tu pourras passer euh, comme, comme je te disais sur, euh, sur la chaîne hein, si, euh, si as jamais tu as des projets et que tu voudras en parler en vocal je sais pas si c'est lié aux médias parieurs ou quoi mais ben, il y a, a quelqu'un qui avait un souci merde le truc c'est que j'ai une mauvaise habitude c'est pas ouf je prends le téléphone dès le réveil et dès le réveil je vais sur tous les réseaux sociaux je vais de partout un peu moins de monde sur ton live en ce moment c'est l'effet vacances tu penses bah je te cache pas que là c'est le premier live où il y a aussi peu de monde hein. à quoi que 14 Là on est à 14, enfin si, si ça dit pas de conneries, ouais bon, ça reste plus bas que la moyenne, hein, sachant que les derniers c'était une moyenne de... Euh, c'était une moyenne de quoi euh, J'ai fait entre 22 de moyenne et 27, euh, sachant qu'il y a toujours du monde qui se barre un peu avant la fin, enfin quand j'arrive vers la fin et que du coup ça doit faire baisser un peu la moyenne, mais ça après on sent pas très grave. Mais euh, ouais ouais, bah, je pense que c'est l'effet vacant, c'est peut-être l'effet... Euh, ouais peut-être, euh, je, je sais pas, c'est... Euh... C'est l'effet, c'est comme ça. Peut-être qu'il faut que j'innove et qu'il faut que je propose du nouveau contenu. Mais après, je sais que j'ai toujours du monde. Et c'est pour ça que les gars, je vous l'annonce, hein. maintenant c'est deux fois par semaine les YouTube réactions, c'est-à-dire on regarde ensemble des vidéos YouTube. Je fais deux émissions coup sur coup mercredi euh, jeudi. C'est dédié à la... aux, aux vidéos YouTube. Au, voilà, soit on rencontre des gens, on regarde des vidéos, on regarde, on, est, on découvre des gens aussi parce que moi, par exemple, j'ai découvert aussi Grâce à ça, par exemple, la page qui s'appelle Parieur Pro, bah écoute, ils m'ont plutôt agréablement surpris hein, pour l'instant de ce que j'ai vu hein, avec euh, l'intervenant, euh, surtout sur les vidéos d'Antoine Basket Cut. J'ai même revu une vidéo de lui en off sur la chaîne qu'on pourra voir ensemble où il explique un petit peu ses process euh, où, où on le voit placer des bêtes en direct et je trouve ça méga intéressant. Un peu comme moi, quand, quand euh, ce que je faisais au début, euh, vous savez, de la chaîne quand j'étais en mode recherche de value où je vous disais, bon, bah voilà aujourd'hui. Voilà, je sais pas, il était lundi, mardi, on, je sais pas, il y avait des matchs en Égypte, en Argentine, au Brésil, enfin ça dépendait. Et en gros, moi je, je checkais en direct et je vous disais, je vous balançais mes projections en direct, et je vous disais, euh, bah voilà, bah pour moi ça vaut ça, enfin ça devrait être entre ça et ça, s'il y a pas d'explication ou autre, bref. Je balançais mes analyses en direct et je pariais en direct, vous voyez sur mon compte Pinnacle ou, enfin PS3838 pardon, ou DreamBet Et lui il, en a, il a fait ça mais en une vidéo YouTube, et c'était méga intéressant. Euh, Peut-être qu'on la reverra ensemble, comme ça on en, pour pourra en discuter. On le voit bête, on voit les, les mouvements de cote. Une fois, voilà, fois qu'il a placé un bête, on voit les mouvements de cote. Enfin, il a fait chuter de cote. Enfin, C'est incroyable en live, tu le vois sur son compte. Enfin, c'était pas Dreambet, mais c'était un autre compte. C'est-à-dire que lui, vu qu'il est pro, et que. Enfin, de, de, depuis de nombreuses années, il a des soucis de limitation avec ses books. Et du coup, on le voit naviguer sur sa vidéo YouTube entre deux ou trois euh, mollybets différents. Donc, un, ça vient de Betinasia, je crois. Enfin, il y en a plusieurs. Enfin, il y a plusieurs brokers, en fait. Et c'est énorme parce que tu le vois, et ils te disent, bah ben non, là, je peux pas miser parce qu'il y a pas assez de liquidités. Ils m'ont ils m'ont limité en termes de, de bet max. Enfin, c'est vachement intéressant, on le verra. T vous savez quoi, on, 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 je pense qu'on on démarrera par cette vidéo mercredi ou jeudi ensemble. Et euh, demain, spécial bet to invest. J'aime bien, mais en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu aussi une spécial bet to invest, je vous dis la vérité. Hein. Euh, si je, je démarre, j'ai démarré le stream. Euh, sans plan, euh, je vous cache pas, euh, je vous cache pas que j'ai eu pas mal de dans ma vie perso, euh, y a eu, y a eu, ça a bougé, hein. putain ça l'aide, il y a eu du, il y a eu du mouvement donc, euh... donc je vous avoue encore une fois j'ai pas trop eu la tête à... à penser à mes streams, mais ouais du coup ouais, pour te répondre Serge de c'est ça un peu moins de monde sur mon live, c'est l'effet vacances, l'effet aussi euh, peut-être que je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui se lassent de mes streams. C'est aussi pour ça que je l'ai fait plus court parce que qui dit des streams plus courts euh, dit aussi que les gens, ben, du coup, ils, ils ont moins de temps, comment dirais-je C'est plus facile pour eux de s'accrocher. C'est comme les vidéos YouTube. Genre, les vidéos YouTube, si elles durent entre 5 et 10 minutes, c'est beaucoup mieux que 30 minutes parce que les gens, ils voient 30 minutes. Déjà, ils se disent, oh putain, je vais commencer la vidéo, mais oh putain, il faut que je reste 30 minutes. Non. Donc, c'est pour ça que je pense que des streams plus courts, limite à faire des streams que d'une heure. Genre, je lance un stream, je vous stream une heure et après, je vous dis, euh, allez, ciao à demain. Bah ça, ça peut être pas mal, hein, sachant qu'au moins les gens, quand ils regardent le replay, ils disent Oh, bon, ça va, ça, ça dure une heure, euh, on peut l'écouter et faire. Euh... Là, ton live dure combien de temps en ce moment Deux heures, je dirais. Je, je voulais, je voulais qu'il qu dure une heure et demie, je vous avoue, mais à, à chaque fois je, je dépasse. Je dirais que ça dure. Bah, après, bah, tu sais quoi, c'est très facile à savoir. Hein. Il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube et tu regardes la, la durée des replays. Euh, bah, tiens, je vais le faire moi-même. Euh, votre chaîne, je regarde les dernières vidéos. Deux, ah, ah oui, 2h50 Ah oui, mais ça c'était parce qu'on faisait des réacts de vidéos YouTube. 2h20, 1h. Ah ouais. Ah, j'ai oublié de mettre en ligne une vidéo, tiens, je crois. J'ai dû, dû oublier de mettre un replay en vidéo là, je vois, parce qu'il en manque un. Ah bah ben non, la semaine, la semaine dernière, non, il y, y a un stream que j'ai pas fait le mardi. Ouais, ouais, j'ai pas, pas streamé le mardi. Ben, les, les, on réacte la vidéo YouTube, ça a duré 2h50 carrément, et ça je pense que bon. Ça encore, c'est cool, enfin, euh, quand ça dure longtemps, parce que vraiment, enfin, regarder des vidéos YouTube, ça prend beaucoup de temps, et, les, et de React. Sinon, euh, parlons bet to invest ça a duré 2h23, et un autre qui a duré 1h57, donc euh, voilà. Mais ouais, ouais, je pense que t'as raison, 1h, c'est bien, en vrai. Euh, après, euh... après, ah oui, putain, ah oui, oui, putain, je voulais faire la Special Exchange, c'est vrai. En plus, je l'ai noté, là. Special Exchange, c'est bon, je l'ai payé mes dettes euh, du ticket que je devais du, ouais, Adapt Alex. Ah oui, j'analyse des bilans BetAnalytics sur Twitter. Ouais, ça, je voulais le faire aussi. Mais c'est vrai, celle que j'avais en tête, c'était vraiment euh, euh, ouvrir mon compte Orbitix et PeeWee, et genre un petit peu voir les différences, que ça soit sur, euh, entre PeeWee Exchange et Orbitix, euh, voir les différences qu'il y avait. En fait, une heure, si t'as un programme, c'est cool. C'est exactement... Bah, après, le programme du mercredi et jeudi, il est, il est super simple. Hein. Est, voilà, est, on, on réagit des, à des vidéos YouTube. Ouais, c'est vrai, tu sais où tu vas et ça disperse moins. Hein. Ça, je suis assez d'accord, hein. C'est vrai que je devrais... Euh, de toute façon, on peut toujours mieux faire. Hein, et ça, ça c'est sûr que j'ai énormément de progrès à faire dans le stream. Et c'est vrai que, comme tu dis, il faut, il faut un, un programme clair. Voilà, pendant une heure et demie, c'est ça. Après, quand c'est des vidéos YouTube, le problème, c'est que tu peux faire. c'est compliqué de faire un, un stream que d'une heure. C'est pour ça que ça ne me, dé, me, dé, me, dé, me dérange pas de passer jusqu'à même trois heures si on réagit sur des vidéos YouTube, sachant qu'il y en a qui durent 30 minutes de vidéo. Et il bah, faut, faut bien les passer, quoi. Mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, combien on est là Qui est là Qui est là 13. N'hésitez pas à parler dans le chat, hein, tous ceux qui sont là. Euh, ça dynamise un petit peu. On est là, on discute, genre on échange. T'as fait quoi ce week-end Oh putain, moi il a fait ch super chaud. Oh non, moi il a fait froid. Quel temps il fait d'ailleurs en France en ce moment, les gars On est comment là Alors, attendez, claque. On est comment euh, ouais donc euh, je vous disais ouais pro prochain live Ouais d'ailleurs il faut, il faut que j'ai un joueur affilié là Qui, qui a un souci avec qui oui il arrive pas à déposer via, via Skrill Et je suis en train de, de régler le souci là je suis en train de voir avec la euh, La manager Voir euh, co comment ça se passe Si c'est euh, lui qui, qui a du mal à faire Quelque chose de simple ou à l'inversement Si c'est euh, yo yo Chip Comment ça va Le petit bip bip le blurp il faut que je l'enlève hein, il, est, il est horrible hein. C'est vrai que ça il faut que je le note blurp je vais le noter Blurp. Blurp. Enlever. Enlever. Mess. Auto. Chat. Voilà. Ouais, parce que j'ai touché, touché au site de Blurp, là, celui qui, qui fait les sons pour les streams. Et dans les paramètres, j'ai dû toucher un truc qui fait que maintenant, dès que quelqu'un balance un son, c'est super chiant parce que. Euh, T'as le message qui dit Oh bah un tel il a fait ça enfin vous l'avez vu Donc c'est un petit peu euh, relou euh, Comprendre son importance Tiens il y a des articles sympas euh, Lundi 28 Ah bah c'est sorti aujourd'hui ça On peut le voir Putain c'est vrai qu'on a J beaucoup de trucs à voir On a vu le ROI Tu as la France à combien en en rugby VS Nouvelle Zélande premier match de Coupe du Monde euh, Combien bah attendez hop on va réfléchir euh, On va réfléchir on va, on va regarder Comment on balance C'est les points de chaîne, points de chaîne, Serge Abitbol. Regarde, tu, tu cliques sur tes points de chaîne en bas, en bas du chat, t'as un petit rond, d'ailleurs les points s'appellent les NVR points. Et en gros, avec tes points de chaîne, tu peux balancer des sons. Alors j'ai limité, hein, par contre, que les gens peuvent envoyer qu'un son chaque minute ou chaque deux minutes, je sais plus exactement. Et en gros, bah là tu t'as les listes des sons. Et euh, je sais pas, par exemple celui-là qui est un de mes préférés, hein, ça c'est. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Ça c'est vraiment un de mes préférés. Hein. Alors tu m'as dit France-Nouvelle-Zélande. Ah mais attends mais attends, France mais, mais je l'ai pris France Nouvelle-Zélande sur PMU. J'ai suivi le tips. J'ai suivi un tips de France-Nouvelle-Zélande. Euh, pourquoi france Irlande Non, attends, pardon. France. Attends, je, je vais te dire... France Rugby. Attends, j'ai parié sur quoi aussi J'ai parié sur plusieurs trucs en, en early market, sur des déglingues. Euh, tu m'as dit France-Nouvelle-Zélande, j'ai parié France-Nouvelle-Zélande à 2, deux... bah ben attends, je, je peux te le dire exactement, j'ai mis, mis en plus, j'ai mis un petit, enfin, par rapport à un suivi tipster, pardon, j'ai mis un petit parpaing, euh, j'ai mis, euh, c'est bien France-Nouvelle-Zélande, j'ai mis 300 balles, cote à 2,07, voilà. Euh, C'était sur euh, Sportsbet, le site sportsbet.io. <laughs> ok, je connaissais pas du tout. Ouais, ouais 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 207 parce que j'ai suivi un... En fait, il y a une des Il y a une des glingues, euh... En fait, il y, y a un tipster que je suis au rugby. Mais qui est très très dur à suivre. Il est méga dur à suivre. Enfin, mais à un point où vraiment c'est simple. C'est-à-dire que dès qu'il poste un bet public, j'ai plus d'une fois sur deux. Tu peux pas suivre à, à la meilleure cote. C'est juste impossible même en étant méga réactif. Surtout que là pour le coup, je l'ai été. Elle était à ce qui paraît.. Attends. Je, je vais ouvrir le télégramme. Je croyais, non, c'est même papa, je croyais que c'était toi, toi. Mais par contre, ouais, j'ai envie de me faire un stream board, un, un deck, genre avec mon téléphone. J'ai envie de faire ça, où moi je vous envoie des sons. Oh, comment tu vas Salut Laurent le super. Euh, ouais, j'ai envie d'avoir un stream deck que j'ai envie de faire avec mon téléphone. Ça, c'est dans les prochains projets stream, avancement stream. Justement, où en gros, mon téléphone sera un deck, et en gros, j'ai juste appuyé sur des boutons, et ça vous envoie les sons. Et vous, pour envoyer des sons, bah, vous aurez toujours les points de chaîne. Mais moi, en gros, j'utiliserai pas des points de chaîne pour envoyer les sons. J'essaierai d'avoir 10 sons différents que je trouve sympas, où j'ai juste à appuyer. Bam, ça envoie un son et euh, je trouve ça plus pratique. Enfin, en tout cas pour moi dans la gestion du stream. Alors, c'est qui Ah bah tiens, j'ai un. Il <laughs> y a une minute Ah bah putain, qui es-tu celui qui m'a envoyé le MP sur Telegram J'ai envie de savoir ton MP là. Je dirais pas le blaze de ton MP. Est-ce que tu peux me dire qui tu es dans le chat de Twitch, s'il te plaît Ça m'intéresse quand même. Ça m'intéresse beaucoup, là, le MP que je viens de recevoir sur Telegram. Car j'aimerais que les gens participent un peu plus sur le chat plutôt que de me dire. Enfin, c'est bien de me MP, j'aime bien, évidemment, je réponds, il n'y a pas de problème. Mais viens participer sur le chat aussi. Attends, participe à l'animation de mes streams. Et ah, de moi. Euh, alors, comment il s'appelle ce tipster rugby euh, ah bah son télégramme il s'appelle Pronostic et Analyse Rugby, alors comme ça au moins. Et Voilà. Rugby Analyse Pronostic, c'est le nom de son télégramme. Et donc lui, attendez, donc c'est comme ça que j'ai suivi son, ce tips. Euh, attendez, je remonte un petit peu, deux secondes. Ah putain, oh, ou j'ai loupé des trucs, ok. Ah oui, il a plus posté. Ouais, ça, oh putain. France-Nouvelle-Zélande, sur PMU. Non, pas Sport non. Sur PMU. La cote de France-Nouvelle-Zélande, elle est sortie à 2.15 sur PMU. Incroyable. Alors, par contre, elle n'a pas duré, duré longtemps, parce que d'ailleurs, je me demande comment il a vu. Je pense qu'il a un système de bot ou quoi qui détecte quand les cotes sortent, parce que franchement, il est d'une réactivité. Euh, jamais vu ça, quoi. À la limite, on dirait qu'il lui-même est employé euh, chez PMU ou chez les bookmakers. C'est incroyable. Il, il est très réactif. Et la cote, elle est sortie à 2.15. Pourtant, été, euh, il me semble hein, que moi, j'ai été assez réactif. Il a cote, elle existait déjà plus sur PMU. J'étais allé voir ailleurs. Et il avait dit quoi Ah putain, non, il, il, il a supprimé le message d'avant. Après, il avait dit Ouais, c'est suivable aussi, je crois, à un hein, 95 chez Winamax ou quoi. Et euh... Et euh, ouais. Donc, ouais, ouais, celui qui m'a envoyé le MP sur Telegram, euh... s'il te plaît. Ça peut, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa de ta part de, de au moins me balancer ton blaze aussi sur Twitch. Sauf si tu euh, si t'as jamais parlé euh, sur Twitch, mais même, enfin, peut, peut être cool. Euh, mais Janusport, non, bah après, Janusport, il a l'air de faire du bon travail, hein, mais euh, je le connais. Fin, pff, de ce que j'ai vu, c'est compliqué. Fin, moi, moi je suis désolé. Fin, y... À partir du moment où. Avec le génie bête, ça a un peu refroidi. Après, je peux comprendre, euh, voilà, s'il y un bookmaker comme ça qui te propose un, un partenariat, un contrat et tout, euh, voilà, bah forcément, tu dois, tu dois proposer du contenu pour, pour ça, mais. Pff, un Genibet, Joabet, bête tout ça les gars, c'est des TRJ mais il n'y a pas plus éclaté quoi, c'est compliqué quoi. C'est compliqué en fait de Tu vois à la limite Betclick, Unibet, même si les TRJ sont pas ouf, à la limite tu peux toujours trouver genre par exemple tu fais un débrief euh, prochaine journée de Ligue 1 euh, en early market quand les cotes sortent, voilà, tu de dire ah bah voilà, je pense que ça c'est un bon spot et tout, tu vois. Non non, il y a pas d'histoire avec Genibet, mais il a vu qu'il a un partenariat avec Genibet. qui est un bookmaker qui propose des cotes mais Éclaté au sol, mais vraiment complètement éclaté. Enfin, il propose le TRJ quasiment le plus bas, avec en dehors de Joabet, hein, parce que Joabet, pour moi, c'est hors concours, c'est comme si c'était un bookmaker qui n'existait pas, tellement euh, le TRJ il est bas. enfin, Mais voilà, enfin, et donc, euh... alors après, peut-être que Jenny ça a évolué, hein. et peut-être que je me trompe, mais dans ce cas-là, mais à coup pas, n'hésitez pas à me le dire, hein, s'il y a eu des évolutions au niveau des TRJ chez eux, mais les TRJ sont méga bas, c'est-à-dire que. En France, le pire c'est Bwin. Ok, j'ai pas Bwin euh, parce que j'ai un compte Party Poker et quand j'avais voulu me créer un compte Bwin, ils m'ont. Euh... Enfin, tu peux pas avoir un compte Bwin et Party Poker, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin, c'est con d'ailleurs. Euh, Peut-être que ça a changé entre temps, mais en gros, tu peux pas. Ah, en effet, yo, Oculus Diaboli, en effet, ok, ouais, c'est bien ça. Ouais, j'ai essayé Bwin, je peux pas parce que je, je joue sur Party Poker et j'ai un compte là-bas, donc. Bwin, pourtant. Alors ok, les codes sont éclatés maintenant, pourtant Bwin avant, ça m'est arrivé plusieurs fois en early market de voir qu'il y avait des values chez eux, que je ne pouvais pas prendre parce que j'avais pas de compte chez eux, mais clairement des fois ils étaient en early market, ils étaient à la ramasse hein, des fois. Hein. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, et je vais le savoir bientôt parce que là je vais me mettre à faire, surtout au retour des vacances là, je pars toute semaine prochaine, je pars en vacances du, donc du 3 au 9, enfin, si tout va bien je vous avoue qu'à tout moment il peut y avoir des rebondissements dans, dans, dans ma vie perso, mais a priori c'est ça. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire? Et en revenant de vacances, oui. Et d'ailleurs, moi, ça y est, hein, les, les gars, j'ai déjà programmé. Alors, je refais de la promo. Hein. Mais euh, quelle destination? La côte. Je vais sur la côte euh, équatorienne, Puerto Lopez. Euh, alors, bah tiens, je, je fais. Regardez, j'ai déjà programmé. Peut-être que je peux vous le montrer ici à l'écran. Euh, Code d'ouverture. J'ai déjà programmé, d'ailleurs, euh, pour être réactif sur ces D'ailleurs, j'ai enlevé euh, sur les codes d'ouverture. Euh, sur Betwinvest, je me suis rajouté maintenant Ligue 1, Ligue 2, Italie Serie A, Espagne, Angleterre Championship. Euh, je, je vais me rajouter aussi euh, la première ligue anglaise et euh, la Bundesliga aussi. Euh, je vais me rajouter ces, ces deux-là en plus d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'étais en train de faire autre chose, enfin je n'ai pas rajouté plus. Et dans le but de quoi D'être super réactif. Euh, lors des, des, lorsque ça sort, je mets de la nationale aussi, mine de rien, parce que la nationale te font des déglingues aussi, même si le Betmax il est très bas. Et d'ailleurs, ce qui est énormissime, hein, je, je fais de la promo Bet -to invest certes, je ne suis pas payé pour ça, mais c'est tellement énorme que, ben que voilà que j'en parle, c'est vraiment exceptionnel. Euh, par rapport à mon code promo, c'est valable uniquement sur mon abonnement, hein, c'est pas valable sur, euh, sur tout le site, mais en gros, hop là, ici, bon, moi j'ai cette version, et en gros. Euh, ce qui est énorme, c'est que donc vous recevez tout euh, sur Telegram, moi je vous conseille de faire comme moi et de décocher mail quand vous prenez euh... Yo Jonathan, comment ça va Mais oui, mais oui, ça... mais oui, bien sûr que c'est ouf. Alors que Pinacle, évidemment, mais bien sûr que c'est ouf, Serge Abitbol. C'est complètement ouf même J'aurais pu. Oui, c'est vrai que j'aurais pu. J'aurais pu aller aux îles Galapagos, mais euh, Mais euh, Voilà, de... c est, c est, euh, ça se fera dans un avenir euh, certain, hein. Ça se fera dans un, dans un futur. Euh, j'ai pas de doute là-dessus. Mais oui, tu as raison. Fin euh, connaisseur. hein, Oculus. Parce que pour sortir les îles Galapagos, il faut connaître un petit peu le coin. Enfin, ou du moins connaître... Euh, enfin, avoir checké où aller en Équateur et tout. et euh, Très bien. Oui, oui, non, mais, non, mais les gars, c'est ouf. C'est ouf. Donc, je rappelle que en gros, moi, qu'est-ce que j'ai euh, j'ai euh, donc voilà avec l'abonnement alors certes le plus cher mais je pense que ça marche avec le pro aussi alors là c'est en dollars hein. sinon vous en euros je crois que là c'est 10 euros si je dis pas de conneries ou 9,99 euh, voilà c'est juste que voilà moi c'est écrit en dollars mais vous ça sera écrit en euros euh, vous avez même le notif donc par ligue donc moi j'ai par événement ou par ligue donc ça veut dire que même avec la formule pro vous pouvez en gros mettre une ligue comme moi j'ai fait donc euh, un championnat et donc en gros là ici dès que les codes sortent sur pinnacle. Sur la Ligue 1, Ligue 2, Serie A, mais je peux tout rajouter si je veux. Hein. Évidemment, je ne vais pas le faire parce qu'à un moment donné, je vais devenir complètement taré euh, à force de recevoir des notifs. Mais en gros, moi, euh, bon, déjà, si j'arrive à être méga réactif sur les codes d'ouverture sur ces championnats-là, je vais rajouter, donc j'ai dit, la Bundesliga et la. et la Première Ligue. Elle fait la vaisselle, ta copine. Pourquoi t'as si entendu du bruit T'as entendu du bruit Attends, d'ailleurs, si t'as entendu du bruit. Des assiettes. Putain, d'ailleurs, il, il faut que je le remette un petit peu. le... Ah, tu, tu sais quoi Attends, je, je vais faire un truc. Je, je vais tester un truc sur le micro. Il me semble que j'ai coupé un filtre. Euh, noise gate. Suppression de bruit. Ok. Noise gate, c'est quoi déjà le noise gate Ah, lui, je l'avais enlevé le noise gate parce qu'il cassait les couilles, pardon, je crois. Euh. Ouais, je sais pas. Bon, écoute. Peut-être suppression de bruit. Oui, mais effectivement, oui, il y a eu des bruits d'assiettes. Euh, ouais, il faudrait que je, réussis à, que je réussisse pardon, à programmer mieux le micro pour que ça, ça évite les bruits de fond. Euh, mais bon, ça va. Si, ça va du coup, t'as pas entendu trop fort non plus ça, Genre, ça pas cassé les oreilles, non Mais oui, effectivement, enfin, elle fait pas la vaisselle, mais elle est, elle est occupée, on va dire, euh, avec des assiettes. Alors, donc je reviens sur les codes d'ouverture. Donc, Pinnacle, les gars, vous êtes avertis en temps réel. Quand les codes d'ouverture sortent, c'est absolument énorme comme service. Que moi j'utilise d'ailleurs aussi parce que bah voilà sur les championnats principaux. ah oh, qu'est-ce que tu dis, Oculus Elle respecte son contrat. Qu'est-ce que tu dis Ça, c'est pas ouf, ça, comme remarque. Ça, c'est carton jaune, hein, comme on dit dans le milieu. Hein. Bon, j'imagine que, que t'as voulu le dire pour rigoler, mais. Euh... Limite ton commentaire. Donc, je disais, ouais, donc je vais essayer d'être assez réactif sur les, euh, sur les codes d'ouverture. Ça, c'est ban normalement. Bon, allez, on laisse la place au doute que ça voulait faire une vanne. On va dire, voilà, une mal placée, on va dire. Euh, mais oui, t'as raison, normalement, c'est ban. Donc, je disais, euh, ouais, donc je vais faire tous les championnats principaux en ouverture et c'est à ce moment-là que je vais checker les codes. Donc, c'est pour ça que ça, c'est vachement indispensable pour. Euh, bah voilà, ce service il est indispensable. Alors certes il a un coût, mais voilà, il suffit encore une fois que tu trouves une ou deux déglingues grosse value en early market grâce à ces alertes pour te rembourser déjà le j'ai envie de te dire le, le service. Quoi. Donc ça c'est vraiment exceptionnel, code d'ouverture. Donc évidemment, ils ont le service pour les tipsters qui ont le statut pro, un abonnement où tu payes pour les suivre en exclusivité, enfin, suivre les tips de Tipsters. Bah du coup comme moi sur le, sur le, sur le site. Euh, et un euh, autre service payant qui est, qui est vraiment top, c'est ouais, celui-là, c'est les codes d'ouverture. Hein. Et, et d'ailleurs, ce que j'adore, c'est que des fois moi quand je reçois du coup les alertes, en gros tu, euh, je vous conseille de faire comme moi et de le mettre sur Telegram. Et ça vous permet... Euh, attendez, je, je... il est où? J'ai pas vu y a Courbe depuis deux semaines, hein On peut la revoir vite fait, s'il te plaît Ta courbe Ma courbe de quoi alors, donc voilà, tu reçois directement sur ton bot Telegram qui est programmé ici, et non seulement tu reçois donc les, les alertes de chaque équipe dès que ça sort, mais en plus tu as le 1x2 quand ça sort direct. Oh, salut Food, comment ça va Bon stream, merci. Ah bah bon stream à toi aussi. Du coup, si t'es en stream, de ce que j'ai compris, ta t'as to invest. Oui, ok, je te la montre. Euh, mes stats, elle est là. C'est là, c'est ici. Attendez, peut-être que c'est mieux comme ça. Elle est là. Euh, on a stagné là depuis qu'on est passé. Euh, bah, depuis une semaine. Ça stagne. Euh, ça stagne au niveau de. Attends. Là, c'est bon, tu vois bien la courbe Voilà, on a stagné. Il y, y a eu un peu de fluctuation. Bon, là, c'est. Ouais, là, on a. On était quand même monté jusqu'à 36 unités au, au plus haut de, du graphe. Et, euh, et là, depuis une semaine. Alors, dur à te dire quand c'était. Ben, c'était. Ben, forcément, il y a, y a 43 bêtes. Donc, euh, c'était vers les 400. On devait être là, quoi. Attends à dire on devait être par là ouais ben bah on a stagné quoi à peu près à aller à une unité près on a stagné quoi euh, je sais pas combien j'étais exactement en nombre d'unités euh, quand j'étais pile poil à 400 bêtes quand le statut est passé pro mais euh, voilà ce qu'on peut dire c'est que ça a stagné et j'ai 6 bêtes en cours là d'ailleurs vous le voyez active 6 euh, et voilà donc ouais pour revenir ouais donc c'est ça c'est vraiment énorme hein. j'espère que vous allez euh, euh, que vous allez prendre ce, ce service enfin euh, en tout cas pour ceux qui parient euh, sur les early market c'est vachement euh, important car vraiment il y a des fois il y a des codes qui restent vraiment pas longtemps dès la sortie dès qu'il y a une grosse value le temps que les parieurs réagissent bah voilà euh, des fois il se passe cinq minutes des fois euh, ça se barre en deux minutes mais des fois bah voilà si vous êtes averti que vous voyez un, un match nul trop haut euh, ou une équipe beaucoup trop haute par rapport au point fr ou même par rapport à vos, à vos analyses perso quoi à vos propres projections bam bam vous pouvez être super actif et donc sur les notifs donc vous avez le 1x2 Noter la cote indirectement, hein, donc c'est même pas besoin d'ouvrir Bet to Invest hein, une fois que vous l'avez sur Telegram. Et vous avez aussi le max bet sur les 1x2, le max bet sur les, euh, les lignes d'adhésion handicap, pardon. Par exemple, là, dernier match euh, pour vous faire un exemple, attendez, les cotes sur l'événement Metz. Voilà, là je peux vous montrer celui-là. Attendez, alors du coup, il va falloir que je change de scène. Euh, attendez, regardez comment ça se présente. Voilà, ok. Euh, change de scène. Attendez, est ce que ça se présente comme ça. Donc vous voyez les codes sur l'événement Metz Reims sont disponibles. Et là vous avez donc l'événement. Donc voilà, bon tu peux cliquer là. J'imagine que tu as. tu arrives sur la page directement de Betto Invest du match. Et en gros tu as le 1x2 directement disponible. Bon, donc là bon l'exemple, je ne sais pas encore check les matchs de Ligue 1. Mais en gros là vous voyez ici sur mon Telegram mon bot Telegram euh, grâce à ce service, bah, vous voyez j'ai le 1x2, j'ai les codes affichés direct. Dès les codes d'ouverture, évidemment. Hein. S'il faut, entre-temps, les codes ont déjà bougé. Et vous avez les lignes Asian Handicap. Euh, par contre, ah, je vous avoue que c'est dommage, il n'y a pas les lignes. Je vais leur dire. Hein. Euh, je ne sais pas s'il y a Beto Invest qui est là dans le chat. Attendez, je regarde s'ils sont là. Enfin, s'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Beto Invest, Broken Files Est-ce qu'il est là Je dirais que oui. Euh, yes, ça serait bien de... Enfin, c'est que mon avis perso, encore une fois. Ça n'engage que moi. Je ne suis pas sûr que d'avoir... Premièrement, que les handicaps soient là, c'est pas méga indispensable, mais bon, c'est cool, hein, même si je pense que c'est vraiment pas indispensable du moment qu'on a les 1x2, parce que c'est clairement ça le plus important. Et, et les over-under, je pense que le over-under 2,5, et enfin, euh, ouais, les over-under 2,5, je pense que ça peut être intéressant que, que ça soit affiché euh, ici, euh, ici, sur, euh, sur, euh, voilà, ici, genre en dessous de Moneyline. Je pense que ça peut être pas mal d'avoir les 1x2 et over-under. Pour moi, c'est quand même euh, en termes d'information, de, de, j'ai envie de dire, c'est quand même selon moi le plus important. Plutôt que d'avoir absolument tous les handicaps, parce qu'au final, quand tu as un handicap, euh, forcément, si tu sais qu'il y a value sur l'handicap, euh, par exemple, 0, en général, il y a value euh, sur toute la ligne. Et enfin, euh, après, ça, ça n'engage que moi, encore une fois. Merde. Pardon. <laughs> je vais changer de scène sans faire exprès. Euh, donc, ouais, je pense qu'au moins les over-under que ça soit affiché, mais en tout cas, c'est top. On a le BetMax aussi. 1000 d'ailleurs, c'est étonnant, 1000 de Betmax dès le début sur, euh, sur cet événement. Ça marche, on va y réfléchir. Ok, bon voilà, c'était un petit feedback de ma part. Euh... Et donc euh, voilà, vous les avez tous, vous voyez, Ajax dunkerque pareil, euh, voilà, vous avez la cote euh, Ajaccio-Dunkerque. D'ailleurs, le nul me paraît un poil haut, mais euh... ok. Et donc ça, c'est top. C'est voilà. C'était pour le, le petit euh, télégramme euh, et ça c'est vraiment énorme quoi. C'est euh, voilà ça c'est vraiment the service du, du site euh, qui vous permet d'être actif et, 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 et je sais de quoi je parle pourquoi Car j'étais on va dire une personne quand j'ai commencé les paris sportifs qui s'occupait justement à être le plus réactif possible sur les early markets et je peux vous garantir qu'un service comme ça ça te change la vie. Hein. Moi sachant que je pariais que en early market avant. Ouais, 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 ça c'est vraiment. Bah après, alors, et, et en plus de ça, c'est qu'il existe d'autres services qui font ça, mais ils sont plus chers en plus, c'est ça qui est ouf, c'est-à-dire que au final, c'est les moins chers du marché. D'ailleurs, bet a fait un tweet là-dessus. Non seulement c'est les moins chers du marché, mais c'est mieux. Donc à un moment donné, ben bah merde quoi, enfin faut pas déconner quoi, tu vois. À un moment donné, tu vas avoir le même produit pour moins cher et une meilleure qualité comme ça, avec un télégramme détaillé, un bot euh, gratuit, enfin gratuit en tout cas, qui est compris dans le service. Bah ma foi, que tu demandes dessus, et en plus sur ce bot, sur ce canal Telegram, tu reçois donc les gens que tu suis, donc les tipsters, là vous voyez que j'ai eu aussi un truc de Suspicious Game, dans le même truc, en gros tout est concentré dans ce canal Telegram, ce qui fait qu'au moins t'es pas pollué de partout, et tu te dis oh putain je cherche où l'info, moi d'ailleurs le bot Telegram il est en message épinglé de mon euh, Telegram, et au moins je suis tranquille, euh, voilà je suis tranquille et euh, je reçois et... Euh c'est enfin, c'est top et d'ailleurs voilà je comme je vous disais quand j'ai commencé dans le betting où je faisais que du leur les market mon rôle justement c'était d'être méga réactif au, sur les codes de fermeture il me semblait que c'était d'ailleurs enfin, c'était le mardi que ça sortait ligue 1 ligue 2 en moyenne ou le, le lundi dans la nuit je me rappelle plus enfin ça dépendait ça dépendait des fois et genre des fois je vous jure que je passais j'étais là je me rappelle j'étais au mexique et je passais euh, ma nuit Enfin, ma nuit, en tout cas, je joue jusqu'à tard, sans faire une blanche non plus, mais je passe jusqu'à tard pour me dire Oh putain, à tout moment, ça y est, j'ai déjà les projections pour la prochaine journée en place. Bam, j'attends que, 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 que les codes d'ouverture euh, sortent pour me positionner, voir s'il n'y a pas une value, vite, hein, une grosse déglingue, bam, pour pouvoir prendre. En gros, c'était comme ça que j'ai démarré. Le problème, c'est que ça engendre un stress pas possible. Et là, grâce à ce service, encore une fois, alors, certes, c'est a un coût, mais, mais vous gagnez en tranquillité et en confort de vie. Je vous le dis, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que bam, tu reçois ton alerte, et ben tu sais quand les codes sont sortis. Et surtout qu'en plus, même si vous prenez la version à 10 balles, si vous voulez vraiment économiser de l'argent pour payer le moins cher possible, vous pouvez prendre aussi la version, euh, attendez, code d'ouverture, vraiment, hein, la version la moins chère, même si c'est limité pour. Euh, c'est par événement, donc par match, en gros, pas par ligue. Et au final, quand vous prenez même celui-là, vous avez juste à rentrer. Euh, un nom d'équipe, un match, donc par exemple un match de Ligue 1, et si ça, ça sort, bah vous savez qu'en général, ça sort aussi sur toute la journée en moyenne. Quoi. Des fois, ça dépend si c'est pas le même jour, des fois il peut y avoir un décalage. Mais sinon, voilà, ça veut dire que même si vous prenez la version pas chère et que vous rentrez une équipe, alors il y a marqué que c'est limité à un seul sport, donc voilà, en plus si vous faites qu'un seul sport, ça suffit. Euh, 50 notifications max en simultané, bah voilà, quand tu fais peu un sport, ça devrait le faire. Voilà, notification Telegram illimitée limité à 100 mails au final je, je vous recommande de faire le via Telegram et, euh, et donc voilà donc voilà je peux pas je, franchement les gars je peux pas vous dire mieux hein. je, je sais que je fais beaucoup de la promo de, de Bet 2 Invest mais en même temps je suis fan pour moi encore une fois c'est la justice dans les paris sportifs tout tipster ou du moins parieur qui veut vendre un service ou j'en sais rien enfin ou qui veut prouver qu'il est bon de ses compétences il se doit selon moi d'avoir et de jouer le jeu et d'avoir un bilan et de et voilà et du coup je félicite tous les gens, tous les tipsters qui jouent le jeu, peu importe, même si c'est des mecs qui ont un héros négatif, surtout que je, souvent ça veut rien dire sur ce petit simple. Mais vous voyez, même ceux qui ont un héros négatif, euh, voilà, on... félicitations, vous jouez le jeu et, euh, et c'est ça, je pense, le plus important. Tiens, BTTS, Basto OM. Ah, putain, Basto M. Il avait pas un gros héros un moment donné Ah oui, ouille, il a pris cher là. Enfin, il a pris cher, il était, à plus... Quoi, qu il était à plus 14, il fait un down de... Ok ouais. Putain, ça a swingé, hein. Ça a swingé, mais par contre, euh, belle selvée, hein. Putain, c'est une belle s'élever pourtant pour un mec qui fait que du, du gros marché, je crois. Basto OM. Enfin, du gros marché, hein, mais 1005, c'est quand même pas mal en termes de... <laughs> Salut à toi, Serge Labide. Ah, ça c'est Jonathan. Euh... Il, il en est où le spécialiste Bah, tu vois, bon, on va aller le voir. Mais attends, lui, lui je suis intéressé de voir Basto OM. Je suis intéressé de le voir. Hein. Mais, mais ouais, les tipsters, à un moment donné, d'ailleurs, il y a Data Prono sur Twitter qui a fait un post aussi, justement, qui disait Bah voilà, à un moment donné, si tu cherches un tipster, il n'y a qu'un seul endroit à regarder. Et il a bien raison, c'est bien sûr Bet2Invest. Euh, 427 divisé par 610. Ah, ok, ouais, ça fait. Ok. Sans, sans la marge, il est up. Avec la marche, ça, ça serait plus compliqué, mais bon, ça reste, euh, je pense, pas mal. Euh, tu m'as dit euh, le tipster baseball. Euh, tipster baseball, il doit, on doit le voir là. Hein on le voit pas. Ah oui, au moins 200 bêtes. Lui, il doit être à. Héroï. Euh, attends, il doit être par là. Hein bah, je suis bête. DG, putain, en plus, tu vois. Tu te rends compte que beto invest ils te font une barre de recherche sympa et moi je l'utilise pas quoi. Non, non, il fait, il, fait du, il fait du baseball, hein, DG Sport. Je pense que tu parles de nos amis québécois. Ah, pourquoi ça marche pas Attendez, je réfraîche la page. DG Alors je sais pas si ça vient de moi. Ah ah, c'est au moins trois Oh, bah merci beaucoup. Ah, merci. Ah, bah putain. Ça, c'est cool. Broken Files, merci beaucoup. C'est au moins 3 critères, la base de recherche. Bah merci. C'est vrai que du coup, ça me sort. D'ailleurs, et même si je marque sport, par exemple. Oh, j'ai DG Sport aussi. Sport RG. Ah, ça me parle, ça, Sport RG. Peut-être sur Twitter. C'est top. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y a pas. Enfin, bon, c'est trois critères minimum. Peut-être que ça pourrait être marquer là. Bon, après, ce jeu chipote, hein, mais. Tu me dis DG Sport, il en est où oui, il a pris tempête. Enfin, il a pris tempête. Euh, si on regarde le bilan global, c'est énorme. Hein. C'est évidemment très très fort. Je suis fan, fan d'eux. Et euh, bah tiens, on peut aller voir si on peut le suivre celui-là. Arizona, c'est sur la première période. Euh, c'est Arizona ou match nul sur la première mi-temps. Euh, sur le match donc, des Dodgers. Dodgers, euh, allez, bah on va voir. Vous savez quoi On va le voir en direct. Voir si on le suit ou pas. Je ne sais plus si je l'ai suivi celui-là, tant que, que je ne fasse pas le con. En ce moment, je fais des bugs même sur mon bilan perso. En plus, il y a des changements sur bettine.js. Il y a des fois des matchs que je n'ai pas notés. Il faut que je fasse attention un petit peu pour, pour avoir un bilan perso très, très clean. Quoi. Euh, ici, donc on va dans Asian Handicap, première mi-temps. Et c'est là. Oh Rare pour être souligné, la cote a monté par rapport à quand ils l'ont pique. Je vais, les, je vais les suivre sur celle-là. C'est rare, hein, d'habitude, ça drop euh, fin, direct. Des fois, ça met du temps. Mais, euh, mais je trouve que là, c'est bien celui-là. Alors, je, je vais vérifier hein, que je ne pas le mongolien. Arizona ou nul. Donc, fin, Asian Handicap plus 0,5. Ouais, c'est bien celui-là. On va, on va les suivre. Attendez, je regarde, je regarde si j'ai déjà pas bête, moi. Parce qu'il me semble que je les avais suivis, là, sur un bête récent. Euh, que je ne pas de conneries euh, à, à faire doublon. Euh, tac. Euh, non, non. Ok, non, non, j'ai pas, pas pris. Bah, je vais les suivre. Allez, on va prendre je vais prendre en direct. En plus, la cote, elle a un peu monté. Donc, euh, j'ai envie de dire tant mieux. Parce que, bah, forcément, on gratte en, en, en espérance de gain. Plus la cote est haute, en fait, plus tu arrives à avoir une cote haute, euh, peu importe, bah, plus tu arrives à, à grappiller, on va dire, en, en espérance de gain. Euh, donc, euh, je vais quand même revoir, voir si je me suis pas trompé. On est bien sur la première mi-temps. Euh, ouais, un 89, c'est ça. Euh, je, je vais aller voir si je la trouve sur Dreambed, celle-là. Alors, Dodgers en Baseball. Ok. Ah putain, sur Dreambet, il n'y a pas les, les premières mi-temps. Je crois pas. Attends. Ad Market. Première mi-temps. Ah, Monelade First Half. Oui, oui, si, 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 si. Il y a, attends. Hop. Oui, je l'ai. Ah bah, je l'ai là, oui. Il fallait que je rajoute un. Oh, 4002. Bon bah, écoutez, on va, on va les suivre. Bah, attendez, je peux vous le montrer. On les suit en direct, on va mettre un petit, un petit 300 boules, un petit 300 boules à hein, 1.892, voilà, on, on vient de suivre en direct euh, le bet de DG Sport, et encore heureux parce qu'elle était montée, si, quand il a piqué à hein, 1.85, si jamais ça avait déjà drop à 1.82, 1.81, ou bref, j'aurais pas pris mais là, c'est même monté un peu. Alors, après, encore une fois, peut-être qu'il y a une info qui échappe. C'est possible que ce bet précis n'ait pas value. Le plus important, encore une fois, c'est euh, le long terme. C'est euh, tous les bêtes cumulés, euh, si euh, la personne est gagnante ou pas. Euh, si on prend des bêtes au cas par cas, bah oui, c'est possible que s'il faut, euh, je ne sais pas, une info leur échappe et que ce bet n'est pas value. Mais après, moi, j'ai confiance en leur travail. Et même s'il s'avérait que ce bet n'était pas value à cause d'infos ou autre, c'est pas grave. Euh, le plus important, encore une fois, c'est d'être. Euh, Enfin, voilà, c'est de suivre, on va dire, les bonnes personnes. Donc là, euh, voilà, j'ai mis 300 balles. C'est écrit ici... 299.97, cote à 1.89.2. Et j'espère que je ne me suis pas planté, parce que je, je me sentirais bien con. Euh, mais c'est bien ça. Première, oui, Asian First Half, oui, voilà. Non, non, c'est bien ça, c'est bien cette cote, ça correspond. Et ben voilà, on vient de suivre un bet en euh, direct, les gars. Euh, je vais le noter après. Ben, il faut que je le note après. Euh, ok. Et eh bah ben, ça c'est fait. Hein, voilà. Euh, voilà. Tu voulais des nouvelles de notre collègue. Et eh ben on en a eu. Voilà. On vient de lui suivre un bet. Et c'est vrai que là, il prend un peu de tempête sur les derniers bets. Hein, il était quand même à plus euh, 20, 23 moins 12. Mais, mais vous voyez, ça c'est la variance. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas cette variance de, de, de faire des drops de 10, 20 unités, même, ça existe et ça arrive et c'est juste normal. Celui qui dit que ça n'existe pas, c'est pour ça que ça me fait rire. Quand je vois des, certains Bet Analytics et en CLV, bah, il est très bon. Hein. Bah, en CLV, c est, c est, je pense par rapport au volume, pour l'instant, de ce que j'ai vu, il me semble que c'est un des meilleurs de, de Bet to Invest pour l'instant, en, en CLV. Enfin, par rapport au volume, mais encore une fois, c'est que 112 bêtes Mais clairement, euh, même si je fais le calcul 4,45 divisé par son nombre de bêtes. Ouais, ouais ça la bat de 0,04 en moyenne. Ça la bat de 0,04 en moyenne. Ah, le graphe, s'il te plaît, pardon. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Donc ça la bat de 0,04 en moyenne. Euh, 0,04, pour vous donner un ordre d'idée, c'est... Euh, allez, je vous montre un historique. Et ben voilà. Ben voilà, Vous avez un, un exemple ici concret, puisque là, on voit que la CLV est de 0,04 en positif. C'est-à-dire qu'en gros, il prend un bête à 1,52, ça close à 1,46. Voilà, en gros. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il prend un 52, 1.52, ça close à un 46. Alors certes, certains vont dire, ah oui, mais bon, si tu enlèves la marge, peut-être qu'on arrive proche de 1,52. Mais bon, après, en général, le rake, il est moins fort sur les petites cotes overall. Ici, on a quoi ah bah voilà, voilà, on a du 0.05. En gros, il pique à 1, 88, Ça drop à 1, 78. Enfin, en tout cas, voilà, à peu près. Donc on peut, on peut... Voilà. Ça, ça... En plus, sur des gros marchés à grosse équité, il faut savoir que là, quand il parie... Euh, je sais pas si j'ai le. Dommage qu'on n'a pas le TRJ. Bon, enfin, dommage. Mais sa mais close, en général, ça dépasse 98%, de, thé... 98 de TRJ. Hein. Sur quoi il, il bête hein. À la closing. Donc, c'est ça qui est beau. Ça veut dire qu'il bat la closing, mais sur des marchés avec un TRJ très haut quand même. Hein. Enfin, ouais, quand ça dépasse 98, c'est plutôt. Euh, c'est très beau, quoi. C'est très, très beau. Euh... Donc, voilà. Déjà, sport d'ailleurs. il devait venir la semaine dernière, je vous cache pas. On s'est contacté, enfin il m'a contacté pour venir, mais je pense qu'il va venir sur la chaîne après les vacances. Euh, je, je me sentais pas, enfin d'avoir quelqu'un en vocal, je sais plus lors de quel stream c'était. C'est vrai que j'étais encore un peu malade, j'étais vraiment pas en pleine forme, donc j'avais pas envie d'avoir quelqu'un en vocal. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il m'avait demandé à passer. Euh... Merci beaucoup Broken files pour le sub prime, merci énormément, euh, faites de même. Hein, c'est gratuit avec votre. Euh, vous liez votre compte Amazon Prime à votre compte Twitch et vous pouvez offrir un sub à votre streamer de votre choix euh, tous les mois. Voilà, une fois par mois, vous pouvez l'offrir, ça vous coûte zéro. Et moi, ça me soutient. Merci beaucoup, à Broken Files, hein, qui fait partie d'ailleurs de, de l'équipe Between West, d'ailleurs, pour rappel. Euh, ouais, donc en tout cas, pour revenir à lui, euh, là, c'est. Ouais, là, c'est. Il y en a, ils disent. En, en fait, il y, a, il y a plusieurs écoles dans les parêts sportifs. Il y en a qui disent la CLV, c'est de la merde. Ok voilà, il y a une école qui dit la CLV c'est de la merde. Ok, bon. On respecte tous les points de vue. Ok, bon, il dit ça, la CLV c'est de la merde. Souvent, il n'y a pas beaucoup d'arguments, mais bon, on s'en fout, enfin c'est pas grave. Voilà, on va dire que CLV, c'est de la merde. Et d'autres, une autre école qui va te dire, ouais, la CLV, c'est méga important, genre euh, chaque bête, oh putain, si t'as pas battu la closing, euh, c'est sûr que c'est un mauvais bête et tout. Je pense qu'il faut modérer les choses. Je pense qu'à un moment donné, s'il y a des, des gros syndicats, s'il y a des, des énormes parieurs pro... Les, si les top règles mondiaux, ils trouvent des values à la closing, parce que bah voilà ils doivent attendre ce moment-là pour poser des 100K, 200K, ce que tu veux, c'est qu'à un moment donné, si chaque cote, une par une, était précise à la closing, euh, bah en gros, ça veut dire qu'il n'y aurait aucun top reg mondiaux qui pourrait parier euh, proche de la closing. Donc, à un moment donné, il faut arriver à modérer. Moi, encore une fois, je suis euh, très modéré euh, sur, entre ceux qui disent « CLV, c'est de la merde » et ceux qui disent euh, « Pro-CLV, ouais, CLV, ça fait tout », moi, je, je reste modéré, euh, surtout sur les petits marchés, j'ai envie de te dire. Parce que c'est vrai que moi, je fais beaucoup de petits marchés, enfin, euh, des marchés, on va dire. Vous voyez, je fais de la Argentine, deuxième division, euh, Brésil, Série A, Série B. Enfin, ce n'est pas des gros marchés non plus. Là encore, je, bah, je vous avoue que là, j'ai deux bets en cours sur mon bet to invest. Au Pérou. Euh, Yoadj 70, au Pérou. Euh, Liga 2 espagnol. Et, et de toute façon, et je vais reprendre les, euh, les championnats principaux, donc euh, Ligue 1, Ligue 2, enfin Angleterre, première division, euh, Espagne, Italie. Et en gros, par contre, mais par contre, sur ces matchs-là, je pense que je vais euh, splitter mon travail. Et euh, ça me prend déjà énormément de temps de checker des matchs pour euh, du jour au lendemain avec les groupes. Que je pense que tous les championnats gros, principaux, donc les 5 championnats majeurs hein, que vous connaissez, euh, Bundesliga, Serie A, Liga, Première League, Ligue 1, on va dire, voilà, c'est les 5 championnats majeurs. Eux, je vais, je pense, plus les pics en early market pour split un petit peu, pour pas que j'ai trop de, on va dire, de taf le vendredi, parce que le vendredi, les gars, je deviens fou, sinon, même des fois le samedi, quand je reste à la maison, je passe beaucoup de temps sur l'ordi, dans la recherche de Valion, sur les matchs du jour et les matchs du lendemain, une fois que j'ai les groupes. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, je peux pas faire ça pour 50 championnats, c'est pas possible. Euh, donc, je vais splitter et en semaine, je vais plus m'occuper du early market, genre dès que j'ai, grâce aux alertes « bet to invest », Dès que j'ai les alertes des codes d'ouverture Pinnacle sur un championnat, bam, je me dis allez, c'est maintenant, t'y vas, tu check, et tu regardes, bah en gros, euh, enfin, tu regardes bah, si tu, tu vois une value ou pas. Euh, voilà, en fonction de, de tes données. Donc voyez, euh, donc, euh, voilà. Euh, que dire de plus Donc ouais, ouais, donc la CLV, euh, je pense que c'est quand même un indicateur méga important. Enfin, en tout cas là dans ce cas. Euh, ce, ce qui me fait euh, dire que ce, ce DG Sport est bon, c'est clairement la CLV là pour le coup. Il n'y a, a rien d'autre. Et surtout, la CLV corrélée au Betmax Max moyen. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire que forcément, euh, si tu as un PMM de 200 ou 300 balles, c'est-à-dire que, que tu fais que des mini championnats et que tu as une CLV comme ça, alors ça reste très bien. Mais c'est pas euh, l'indicateur de folie. Par contre, crocher autant la CLV sur des gros marchés, parce que euh, dépasser 2000, là on peut commencer à parler de gros marchés. Sachant que là, quand j'ai pris le Bet, il y avait 4000 euros hein, quand même de Betmax Max. Hein. Euh, donc euh, bon. Là, on peut commencer à dire Ah, ouais, quand même, la personne a un impact sur le marché et sur, de, sur un grand marché. Donc, euh, rien que pour ça, euh, bravo, euh, DG Sport. Bravo. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, d'ailleurs. Hein. Et encore merci, Broken Files, hein, pour le sub. Merci. Hein. Il y a moins de subs ces derniers temps. J'avoue, il y avait peut-être plus de hype au début quand les gens ont dû voir euh, euh, ce stream en mode Ah, putain, c'est un stream paris sportif, c'est nouveau et tout. Et peut-être qu'il y a des gens qui, qui se sont euh, lassés euh, par, par la suite. Est ce qui n'est pas impossible. Après, là, encore une fois, on est au mois d'août. Hein. Là, s'il y a bien un moment calme, c'est bien maintenant. La rentrée approche en plus. Il y a des gens, soit qui sont partis en vacances maintenant, parce qu'ils n'ont pas pris des vacances avant, ou alors euh, qui, euh, tout simplement, euh, comment dirais-je, ou tout simplement qui préparent la rentrée avec les enfants. Enfin bref, c'est un moment quand même euh, où les gens euh, ont des choses à faire, on va dire. Ah bah tiens, sur, je viens de voir 100 followers chez Dorado VGG, euh, 100 followers sur son compte vest Elle est belle. Ah bah attends bah alors comment je fais Eh bah on va on va, on va refaire ici. Hein. Tu vas dans le Code d'ouverture. Ici tu as alors tu, ou alors tu peux cliquer sur nos offres aussi. Et là voilà. Ici tu as euh, les, euh, les abonnements. Alors ne, ne fais pas gaffe, moi c'est en dollars, toi ça sera en euros. Je pense que le débutant, je crois qu'il est à 9,99 Si je dis pas de, de conneries. Mais ouais, les gars, les alertes Pinnacle c'est vraiment le gros. D'ailleurs, je pense, enfin... J'imagine que bet to Invest, c'est vraiment ce qu'il doit mettre en avant le plus possible. Euh, sur leurs réseaux sociaux limite je pense qu'ils doivent faire un poste par jour bon ça reste que mon avis ça vaut ce que ça vaut évidemment je suis pas du tout un pro des réseaux sociaux loin de là mais c'est vrai que de mon point de vue genre limite c'est tellement fort je pense comme euh, comme euh, comme service pardon que je pense que ça ils devraient faire un poste par jour sur leurs réseaux sociaux pour parler de ça tellement euh, je pense qu'à un moment donné euh, il, tout le monde va le savoir à force s'ils font un poste par jour sur tous leurs réseaux sociaux qui parlent uniquement de ça. Donc, comment tu fais pour avoir les alertes de Pinnacle Donc voilà, c'est payant. C'est un service payant. Ici, tu as trois. Tu as le débutant, le pro et le expert. Euh, et voilà, bah, tout, est, tout est bien écrit. En plus, on a dans le chat, euh, on a quelqu'un de l'équipe de, de, de Bet2Invest, euh, que, que je remercie d'ailleurs d'être là. Donc voilà, si tu as des questions spécifiques, peut-être que Broken Files, peut-être que je peux te laisser... Euh, lui répondre, peut-être que tu seras bien plus fort que moi pour, euh, pour la réponse, mais bon, je vais quand même te donner euh, la mienne. Ici, tu as trois services, alors certes, c'est pas donné, mais en gros, forcément, euh, le premier service, tu peux pas avoir comme moi, c'est-à-dire faire par ligue comme je fais ici, c'est-à-dire que moi, vous voyez, ça c'est mon compte perso, hein, évidemment, hein. c'est mon compte perso où j'ai déjà Ligue 1, Ligue 2, Série A, Liga et Angleterre, deuxième division, mais je vais en rajouter un, hein. et euh, je vais en rajouter quelques-uns sur les championnats majeurs, et en gros, Dès que, euh, dès que les cotes, elles sortent. Ah, bah c'est sympa, euh, c'est sympa, euh, Broken Files qui dit répond à Adge 70. Bien sûr, si tu es intéressé, n'hésite pas à venir me mp en mp sur notre Twitter Beto Invest. Et bah voilà, Adge, euh, si, si tu auras plus de questions. Moi, voyez, voilà j'ai le service maximum et ça me permet, en gros, euh, d'avoir, comment dirais-je, euh, voilà, dès que les cotes d'ouverture sortent, sur chaque événement, euh, je l'ai déjà montré, à ah, mais je, je peux le remontrer encore, je te conseille de faire comme moi et de décocher les mails, dans un premier temps, quand tu prends le service, si tu le prends, mais je pense que tu vas le prendre parce que c'est tellement énorme, mais bref, de décocher les, les mails. Pourquoi Parce que pour moi et pour beaucoup d'entre nous, mais ce n'est pas pour le cas pour tout le monde, mais je préfère le, le dire quand même, les euh, mails, ça t'inonde de mails, et je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé. Au niveau des alertes par email, même si pour certains ils préfèrent parce que ben bah, voilà, ils, ils voient toujours leur mail, ils sont très réactifs sur leur mail. Dans ce cas-là, gardez euh, les alertes par mail. Mais moi je conseille les alertes via Telegram. Vous avez juste à configurer le Telegram. Donc tu suivras euh, en gros ce qui est écrit ici avec ton chat ID. C'est très très simple. Et en gros, ça va te donner quelque chose comme ça. Euh, attendez, je te, je te montre. Ça va te donner quelque chose comme ceci. Et bah, bah d'ailleurs, voilà, en direct, j'ai eu des alertes. Euh, 21 alertes d'ailleurs. Regarde, hop là, je peux te les donner en, en exclu. Euh, vous voyez, Reims-Brest. Voilà, j'ai par exemple le, le Moneyline. Et en gros, j'ai les codes sortis sur le match de Reims-Brest. Euh, alors, il y a pas la date, mais bon, on sait que c'est la prochaine journée. Mais il y a le 1x2. Euh, tu as les anciens handicap et tu as le Betmax. D'ailleurs, je suis étonné, là, le Betmax à 1000. Je suis étonné. C'est peut-être 100, peut-être qu'il y a un bug. Je... Ben bah non, ça ne peut pas être 100. Avec l'handicap à 250, non, non, c'est ça. Ça doit être ça. Je suis étonné. Salut, sans coucaille. Bonjour, Franck, et bonjour à tout le monde. Merci d'être là, sans coucaille. Et donc au niveau des alertes Telegram, ça se passe comme ceci. Et donc euh, voilà, il y a quoi d'autre comme match Putain, mais les... Rennes Lille, vraiment le 1X2, il a 1000 balles Putain, elle est belle, hein 1X2, putain, le Betmax en early market, euh, ça fait plaisir, là. Hein Peut-être parce que je sais pas, c'est le début, je, je sais pas, mais... Euh... Lille, voilà, euh, je, je, voilà. voilà comment sont présentées les alertes. Ah, on a le Betmax affiché, les cotes 1X2. Ah non ça c'est pas vraiment, c'est la première mi-temps. Ça par contre si je peux me permettre ouais un autre retour à Bet2Invest, je pense que pareil c'est pas nécessaire les, les, quand, les événements sur la première mi-temps. Encore une fois ça reste que mon point de vue, euh, mais je trouve que c'est n'est pas nécessaire les euh, les alertes sur la première mi-temps only. Une fois qu'on a enfin le plus important c'est sur le, la full time quoi période full time comme ici sur le match Paris contre Nice bah là voilà on a les alertes. Alors, je ne sais pas si c'est sorti vraiment aujourd'hui. Attends, bah si, oui, c'est sorti aujourd'hui à 17h02. Bah, ouais, j'ai une alerte en direct. Je, je vous donne les alertes là en direct sur, sur la Ligue 1, prochaine journée. Les codes viennent de sortir chez Pinnacle. Euh, voilà, et d'ailleurs, on peut, on peut le voir euh, par exemple ici. Donc, voilà, on peut prendre l'exemple de Paris-Nice. Ok, je vais vous le mettre. Paris-Nice. Attendez, je, je bouge ça. Deux secondes. Paris-Nice. Alors, la Ligue 1, qui est ici. Et là, vous voyez, vous voyez que pendant mon stream, la Ligue 1, elle est sortie. Si je dis pas de bêtises. Paris-Nice. Est-ce que c'est ça ou pas Est-ce que c'est là ou pas Peut-être que c'est pas sorti sur Hotsportal aussi. Hein. C'est possible que Hotsportal soit en retard. Ah, bah vous voyez, bam Voilà. Qu'est-ce qui se passe Hotsportal aussi est là. On a la sortie 17h02. Enfin là, c'est sorti il y a 5 minutes. Donc là, c'est clairement un top moment. On va dire pour checker, bon là j'ai pas le temps de checker la prochaine journée de Ligue 1, là je suis en stream et tout, mais en gros, là on sait que sur la prochaine journée de Ligue 1, il y a des matchs déjà qui sont sortis. Et euh, voilà, vous avez aussi l'over-under. Euh, Sorti sur Pinnacle, donc là, incroyable. Je pas pu vous faire un meilleur exemple de leur service bet 2 Invest. J'ai eu les alertes en même temps que la sortie de Pinnacle. J'imagine que la sortie c'est du une minute près, on va dire, évidemment. Hein. Euh, mais mais c'est énorme. Et donc, yo Vina, salut, comment ça va Pardon je viens de voir ton message. Euh, Ovina, euh, par rapport à, à Piwi, euh, j'attends un retour. Hein. Euh, voilà, J'ai demandé du coup la procédure, euh, voir s'il n'y a, a pas un souci pour les dépôts ou autre. Mais, euh, mais on est dessus, hein. j'espère que tu n'es pas pressé. Euh, voilà, j'attends la réponse. Donc euh, voilà, énorme euh, Bet to Invest pour ce service. Euh, on est combien là Ah bah tiens, il y a un peu plus de monde. Peut-être qu'il faudrait que je démarre les streams plus tard, je ne sais pas. En tout cas, bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là, on parle bet to invest on parle Paris Sportif en général. Et, euh, et voilà, et bienvenue. Bienvenue à vous. Donc euh, voilà, code ouverture Ligue 1, voilà, je les ai eus en direct. Yo David, comment ça va Notre euh, parieur sur le hockey sur glace, si je ne dis pas de conneries. Le hockey sur glace quoi. Tu regardes beaucoup les matchs David d'ailleurs de, de hockey sur glace ou c'est surtout... Euh, Juste une passion paris sportif où tu t'es mis à fond là-dedans ou c'est où tu es vraiment genre un passionné, tu suis beaucoup les équipes de hockey sur glace, comment ça se passe un petit peu Surtout qu'en plus c'est la, la nuit les matchs en France, non Donc j'imagine que tu les regardes pas en direct quand il y, y a des matchs qui t'intéressent Non Je ne sais pas. Bah, Je crois que c'est la nuit, oui, forcément, si c'est aux États-Unis. Super, merci. Non, bah, bah tant mieux. Merci Ovina. Merci à toi pour, pour ta compréhension. Et en plus c'est bien parce que du coup j'imagine que tu es mon premier affilié sur Piwi Et du coup, ben, grâce à toi, peut-être que du coup, ça va. Voilà, peut-être que je, je vais pouvoir faire un truc de mieux pour que les gens euh, puissent faire un dépôt. ouais Oui, la NHL, c'est la nuit. Ouais, et d'ailleurs, oui, euh, un des prochains streams, encore une fois, je sais que ça fait, euh, ça faire euh, 10 jours que j'en parle. Prochain, un, un des prochains streams à faire, je sais pas si je vais le faire cette semaine, je vous dis la vérité, ou après. S Stream spécial Exchange, où on, je vais ouvrir mon compte Orbitix. Ok, où on va avoir que Exchange et le compte Piwi Exchange, voir un petit peu les différences, comment ça se passe, euh, si c'est mieux en BTX ou pas, euh, s'il y a des différences. Euh, voilà, je sais pas, je vais le découvrir en même temps que vous, je vous avoue. En général, je m'accorde 2 à 3 nuits pour vous mater du hockey. Ah sérieux C'est-à-dire que... Ah ouais putain, c'est-à-dire que tu, tu, tu te couches tard donc quand tu suis les matchs. Euh, donc voilà, et donc Ligue 1. Est-ce qu'on peut déjà voir sur Bet2 Invest Ah bah ouais, c'est déjà du coup là. Hein. C'est déjà là. Non mais les gars, c'est 1000 balles. Putain mais je, je viens d'apprendre un truc là. 1000 balles le Betmax Sur le 1X2 en ouverture, putain c'est haut. Hein. Il me semblait que c'était moins avant. Putain c'est à combien avant C'était pas 1000 balles. Hein. Parce que moi je me rappelle en Ligue 1 ouverture, quand je pariais dessus en vraiment à l'ouverture, bah comme ici. Ou lève-toi quand je vais faire mon sport derrière ou un croissant, tout dépend. Ah oui, oui, j ou lève-toi. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Si jamais t'as dormi avant. Mais ouais, non, mais là, c'est ouf. On est en direct. Et évidemment, il n'y a pas de fluctuation. C'est pour ça qu'il y a une barre, parce que forcément, il n'y a pas de fluctuation. Il n'y a personne, en gros, qui a parié. Et si quelqu'un met 1000 balles sur Paris, en gros, la cote va, va chuter à 1,48. Euh... Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une grosse fluctuation. C'était sur Lyon-Paris, hein, je crois. Il me semble que j'avais vu que bah forcément, ouais, ouais. Forcément avec les... Waouh, c'est sorti à 2.17, mais vous voyez Vous voyez, regardez l'ouverture. Bon, moi je n'y étais pas, je ne fais pas encore la Ligue 1. Euh, je ne sais pas, enfin, je fais plein d'autres choses, mais je ne fais pas encore la Ligue 1. Regardez, la cote d'ouverture, ça a ouvert Paris à Lyon, ça a ouvert à 2.17. C'est oufissime. Et là, c'est à 1.54, donc ça veut dire que ceux qui étaient là en early market et qui ont pu jauger, entre guillemets, que Paris est sorti trop haut, surtout, surtout au vu des, euh, des prestations de Lyon, vous les avez vues, hein, je pense aussi, Exchange, tu le fais dans la semaine ou après ta pause méritée euh, Je, je t'avoue, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai quand même envie de faire. Euh, mercredi, euh, jeudi, j'ai envie de faire du YouTube React. J'adore. J'adore le YouTube React. Et euh, attendez deux secondes. Euh, bah, vous savez quoi Attends, petite pause, les gars. J'arrive dans, dans deux minutes. Même pas, trois minutes, allez. Maximum. Et je vous lance une pub. A tout de suite. Voilà, je suis de retour. Est-ce que vous vous êtes bien mangé une pub Alors après, ça c'est l'avantage des sub aussi, les gars. Si vous êtes sub prime, vous n'avez pas de pub. Et oui, c'est ça l'avantage aussi d'être sub prime. Pour tous ceux qui me soutiennent, que ça soit sub normal ou sub prime, hein. ça permet de nous soutenir. Et en plus, dès que je lance une pub, vous en avez pas. Salut Yannick. Ah bah ben non, t'as pas de pub David. C'est normal parce que tu es sub depuis deux mois et je t'en remercie. Et salut Yannick qui est sub aussi. Comment ça va Yannick il y a du mouvement, hein. je passe de temps en temps sur ton Discord. C'est mouvementé, c'est cool. Il y a beaucoup de mouvement. Il faudrait que je, je, je suive un peu plus là, quand tu fais des promos. Euh... C'est vrai que je ne pense pas aller faire les promos euh, sur le point .fr. Je ne pense pas du tout. Fin... Et pourtant, des fois, c'est des gros spots. Il hein. y a des grosses values hein, sur les promos hein, sur le point .fr, les gars. Euh, des spots à, je ne sais pas, euh, voilà, vous, vous pariez, euh, vous perdez 2 euros, vous allez gagner euh, 10 euros de free bet euh, si vous faites les choses bien. Ça roule, ça bouge beaucoup là. Il y a trop de trucs en même temps. Bah, c'est bon signe. C'est bon signe. J'ai vu que je vois que ton Discord il est vachement actif et ça c'est cool. C'est une belle réussite même si ça fait chier certains. C'est comme ça. Euh, pardon. Salut tout le monde. Bon début de semaine. Bah, bon début de semaine. répondait à David. Bon début de semaine à vous. Bon donc là en tout cas voilà on a, on a beaucoup parlé des alertes de côte euh, grâce au service invest et là on voit un hein. Putain là c'est oufissime. Hein vous rendez pas compte la value sur les les markets Market vraiment je pense que ceux qui font que du early Market je vous dis la vérité et ça je l'avais déjà euh, comment dirais-je étudié auparavant c'était très bon sur les ouvertures de cote alors certes évidemment euh, ça veut dire que t'as pas une unité de mise de 1000 2000 balles enfin et encore ça dépend les marchés mais les gars il y a vraiment moyen si tu paries que en early en plus ce qui est, ce qui est bien l'avantage des early Market c'est que tu paries enfin euh, j'allais dire no brain t'as plus de chances de trouver des values en early market quand les cotes elles sortent que évidemment proche de la fermeture ce qui est logique parce que plus le temps passe plus il y a des liquidités et au plus les cotes sont susceptibles d'être ajustées et du coup arriver à la, à la closing c'est plus rare évidemment de trouver des grosses values ce qui est logique alors qu'en early market il y a encore pas de liquidités pas de parieurs euh, qui, qui ont parié qui ont fait bouger les cotes et des fois tu peux trouver des dingueries là putain pari qui sort à 2.17 même moi là je suis un peu choqué parce que je, je, je comprends pas je... Dommage que j'étais pas dessus parce que là, même sans algo, euh, il faut pas être un génie pour comprendre que au dessus de deux, c'est euh, Paris euh, contre Lyon à l'eau, même à l'extérieur à euh, l'eau quoi. Cote à deux, c'est n'importe quoi. C'est trop bon de faire chier les gens, ça veut dire que ça marche, c'est vrai, c'est bien vrai, mais ouais, non, mais là c'était n'importe quoi, surtout au vu des prestats de Lyon là depuis le début de la saison. Mais les Lyons, c'est cata hein ça va pas du tout, Lyon. Hein bon, et donc voilà, donc ouais, je pense que vraiment en early market. Euh, si tu es, es précis, grâce aux alertes du coup de, de Bet2Invest, tu dépasses 10%. Hein. Vra, vraiment. Si tu es bon, tu dépasses 10%. Alors évidemment, tout dépend du volume, tout dépend des marchés. Mais clairement, si tu parais que en early market, je pense... Alors c'est dur, hein, évidemment, 10%, ça paraît, énorme. Hein, là, je vous dis 10%. Euh, c'est n'importe quoi, hein, 10%. Mais c'est énormissime. Hein. Il y en a, ils vont dire « Oui, c'est trop facile. » C'est comme certains qui disent « Ah oui, mais 5% de ROI, c'est vraiment pas compliqué. Hein. » Ça aussi, la remarque que j'ai eue, elle m'a bien fait rire. Euh, J'ai pas répondu à la personne, mais ouais, genre 5% de héroïs c'est pas compliqué. Alors déjà, même si on fait un tour sur Beto to Invest, euh, je sais pas combien il y en a. Euh, mais bon, des mecs qui, ont à, qui sont à plus de 5% de héros sur euh, 400 bêtes, il y en a combien On peut faire... Attends, merde. Pourquoi ça veut pas... Voilà, sur 400 bêtes, combien Et il y a plus de 5% de héros. 1, 2, 3, 4, 5. Bah même moi, tiens. Je <laughs> suis à 4,96 là. Donc plus de 5% de héroïs c'est pas compliqué. Bah voilà, sur Beto Invest, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Mais ce n'est pas compliqué. Ah, à 70, ça, c'est toi qui as dit que. Bah, le, le problème, j'ai même pas checké West Ham contre Luton. Bah, déjà, parce que la première ligue, je me suis permis à retoucher. Mais Luton, ils n'étaient pas, pas dans la même division en plus que l'année la, que la, que dernière. Donc, euh, il me semble qu'ils sont montés, non, Luton Non ou je, ou je confonds un an, là. Bref. Mais ouais, ouais c'est possible que West Ham à 1,75 soit trop haut contre Luton. De hein. toute façon, si t'es sûr de toi, euh, euh, je te conseille de prendre. C'est vrai que c'est toujours compliqué euh, une équipe qui monte euh, qui monte en, en première ligue bah, parce qu'en fait, tu t as du mal à, à savoir leur niveau réel en comparant leur niveau à eux et, la niveau de, de, et le niveau d'autres équipes de première ligue. C'est-à-dire qu'autant, c'est ça, c'est pris. et ben, GL à 70 Et ben, tu sais quoi Je regarderai avec attention à combien finit la cote. West Ham contre Luton. C'est Ham à domicile, mais en tout cas, ben VGL, hein, j'espère que ça va passer pour toi, j'espère que, que tu es sur une belle value, euh, donc voilà, donc voilà, dépasser 5%, bon, surtout qu'il y en a, bon, on dirait pas... Ah non, à l'extérieur, ok, ah, c'est déjà différent, ok, euh, voilà, bah voilà, c'est trop facile, bah pourtant, il y a combien de tipsters sur la plateforme euh, Bah après, là, j'ai mis qu'au moins 400 bêtes, hein. mais bon, au moins 400 bêtes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et encore sur les 5, euh, voilà, il y en a, bon, je ne dirai pas ce que j'en pense, mais il y en a, ça très bien que j'en pense. Hein, comme ce monsieur qui, maintenant, pour ne pas trop niquer son, son bilan, hein, qui passe maintenant à des, à des unités à 5. Bah ouais, bah ouais, pourquoi, pourquoi Pourquoi ce monsieur passe à des unités à 5 Bah ouais, faut pas niquer son bilan. Bah ouais, donc on divise, et, et tu verras que si jamais ce monsieur run bad. Si jamais il run bad, et eh bien là il, est pass... il a divisé par deux son unité de mise. Et eh bien s'il continue à run bad et à perdre, bah comme là l'enchaînement qu'il fait, ah ben, eh ben il va passer peut-être à trois unités, peut-être à deux, peut-être à 1, Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et voilà, bah là au moins ça nique pas trop son héros. forcément, là il perd je ne sais combien de bêtes d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben bah voilà, il perd... au lieu de perdre euh, 80, il perd que 40. Voilà, dans les profits. Mais bon, c'est bien, c'est malin. C'est quelqu'un qui connaît la stratégie, voilà, il sait comment optimiser un bilan, voilà, qui ne sera pas fiable. Voilà, ça c'est dit. Oh ah, merci beaucoup, Broken Files. Ça c'est bon ça. Oh, très très bonne remarque de Broken Files, qui est donc, je rappelle, euh, qui est à la tête de bet 2 invest enfin il fait partie deux, de l'équipe, des deux personnes en tout cas. On va mettre en place un système pour voir le profit. Divisé par le ROI, lissé avec une mise de 1 partout. Ok, ouais, genre en gros, combien Oui, oui, en gros, c'est combien ça aurait été le. Voilà, si ça avait été un partout, mais bah, c'est beaucoup mieux. Pas divisé, non, pardon, oui, je j'ai je... mal... mal lu, autant pour moi. Juste le ROI au profit, ouais, voilà. Et bah, c'est très bien. Ça, c'est une bonne mesure. C'est une bonne mesure pour éviter justement les 10 sur 10, après 1 sur 10. Bah, au moins, on sait que si la personne. En, en plus. Il n'y a, a pas mieux que de voir le bilan de quelqu'un avec une unité de mise fixe. Peu importe, évidemment, même s'il trouve que c'est une grosse value ou pas grosse value. Voilà, au moins, on voit. Parce qu'au moins, on, y, tu ne peux pas tricher. C'est-à-dire que si, si le mec est up, c'est bien. Et si le mec est down, même s'il y, y a des fois où il a mis 3U, 4U, hein, ben, au moins, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Merci beaucoup, euh, Bet2Invest, pour ça. Et, euh, et donc, voilà, c'est donc, énorme. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller... Hein. C'était un, une spéciale Beto Universe, je vous dis la vérité, je vais changer le titre lorsque je le mets sur YouTube, euh, la, le rediff. Ici, on a le média parieur, hein, qui, est, euh, qui est la justice dans les paris sportifs, que, que je vous ai montré, le média parieur. Et, euh, ah bah tiens, VGG, 100 followers, merci à tous pour le soutien. Ah bah elle est belle, elle est belle ici, il a dépassé. 100 followers pour 1000 pronostics, elle est belle, VGG euh, Dorado. Euh, et Bet to Invest qui sont où Qui sont là N'hésitez hein, pas à les follow, les gars. Vraiment, c'est euh, la justice dans les paris sportifs. C'est eux qui méritent. Donc allez-y, n'hésitez pas. Euh, voilà. Et en espérant d'ailleurs, c'est marrant par rapport à l'histoire de Beto Invest. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu un concours fait euh, sur ma page euh, euh, Twitter Et c'était, j'ai ai beaucoup aimé le concept. C'était la première fois que je faisais un concours et tout, enfin en partenariat comme ça. Enfin, je, je suis un peu nul des réseaux sociaux, les gars. Hein. Enfin, ouais, je suis un peu un noob complètement, hein. mais c'est vrai que j'espère qu'à l'avenir, à, à voir avec Bet2Invest, mais j'espère que, que ce qui s'est passé, euh, ils le referont. C'est-à-dire, je sais pas, ils veulent organiser un concours pour faire gagner des free bets grâce à Paris en sport ou je ne sais où. Ben, j'espère que ça se refera sur ma chaîne. J'espère qu'ils repensera à moi, enfin, ou à nous, enfin, bref, mais parce que c'était vachement cool et du coup, il y en a qui en ont bien profité, comme Food qui a gagné le, le free bet à 30 balles, euh, Gunner4Bet aussi a gagné le, le free bet à 20 balles et il y en a trois autres qui ont gagné et euh, voilà avec plaisir que, que je refasse ce concours s'ils le souhaitent enfin à voir avec eux évidemment ça c'est euh, chacun merci david hein, pour les follow euh, retweet mais en tout cas ah eh oui et eh, putain et eh alors là on va le savoir bientôt moi dommage que je pars en vacances à ce moment là mais mais du coup regardez il y a The Concours les gars ça les gars c'est gratuit hein. ah merde on voit, on voit pas bien mais en, en gros il y a concours du meilleur tipster 10 000 euros à gagner du 1er septembre 2023 donc là là dans quelques jours jusqu'au 31 août 2024 donc pendant un an il y aura ce concours du meilleur tipster c'est gratuit encore une fois hein, pour avoir une chaîne euh, créer un bilan euh, de tipster un bilan euh, visible public sur c'est gratuit encore une fois les gars et là le meilleur tipster alors je ne connais pas encore les conditions euh, j'imagine qu'ils travaillent dessus ou peut-être qu'ils savent déjà mais bah, les gars au bout d'un an le meilleur tipster il repart avec un prix. Alors, ça ne sera pas 10 000 euros parce que j'imagine que c'est 10 000 euros à gagner, mais que c'est lissé entre peut-être les 5-6 premiers, je ne sais pas où les 3 premiers. Mais en gros, bah voilà, les meilleurs tipsters, les gars, euh, vont pouvoir gagner un lot. Et, euh, et bah c'est génial. <laughs> -dire que tu participes gratuitement. Donc allez-y, hein, montrez vos talents. rené good, surtout quand vous participez à ce concours. J'espère que vous allez bien run good. Et euh, voilà, pour gagner un prix pour le concours du meilleur tipster avec de l'argent à gagner. Bah, bah, Qu'est-ce que tu veux de plus Que franchement, sans déconner. Qu'est-ce que vous voulez de plus Ah, oh bah tiens, TB Tennis qui est là aussi. Peut-être qu'il m'écoute. Il n'est jamais venu dans le chat. Euh, il n'est jamais venu dans le chat, mais, euh, mais je sais qu'il est là et, et qu'il regarde les rodifs. Après, le meilleur tipster. Non, mais ça, on verra, David. On verra. Ça va, c'est pas grave. Après, peu importe. Moi, je vais te dire la vérité. Hein. Peu importe les modalités pour être, entre guillemets, le meilleur tipster. Je ne sais pas comment ils vont faire ce système de points. Peu importe je pense qu'il faudra quand même les soutenir et respecter euh, leur euh, choix euh, je pense que c'est important c'est la meilleure plateforme du monde donc euh, même si des fois je chipote et, euh, et je le dis quand on va dire je suis pas content pas d'accord avec euh, on va dire un choix une, une approche ou autre je pense qu'il faut quand même être très euh, souple et respecter vest parce qu'encore une fois c'est la justice dans les paris sportifs et donc il faut il faut il faut, il faut, il faut soutenir voilà Enfin, évidemment, il faut, il faut faire part quand tu es mécontent. Euh, voilà, bah d'ailleurs, vous avez bien vu, hein, j'hésite pas à le faire. Hein, vous avez vu que j'ai soulevé trois points à améliorer là sur mon Stream par rapport à betwinvest, qui non, évidemment n'engage que moi. Il faut le dire, c'est méga important. La critique est bonne. Enfin, c'est pas pour le coup, c'est pas une critique, c'est une suggestion plus qu'une critique. Évidemment, c'est bon, mais voilà. Mais, mais à côté de ça, bah voilà, faut mettre en avant parce que c'est c'est top quoi. C'est ah bah plus qu'un super taf en vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, d'ailleurs, je, je vais un petit peu appuyer euh, CQC là, notre tipster argentin. Je vais lui dire qu'il parle un peu dans toute l'Argentine, qu'il parle un peu de Beto Invest. Je vais lui dire hop oh, hop hop CQC. Bon après, il a pas trop de réseaux sociaux pour le coup, mais enfin, hein, il est pas trop aux réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a déjà un certain âge et qui, ben, il est pas, pas un adepte des réseaux sociaux, mais je vais lui dire hop oh, hop hop. Déjà, parle à tous tes clients de Beto Invest. Hein, tu fais, fais, fais un kiff. Mais je pense qu'il a déjà dû le faire de lui-même, hein, CQC. Et d'autres après, ben bah voilà, des tipsters étrangers d'ailleurs. Moi d'ailleurs, putain, en Équateur, faudrait que. Je, je sais pas comment faire, mais faudrait que, vu que je suis sur place en Équateur, faudrait que, je sais pas, j'arrive à rentrer en contact avec des tipsters ou des, ou des parieurs pro équatoriens ou autres. Euh, ouais, faudrait que je vois ça pour leur en parler justement. Il faudrait que j'ai une casquette Bet2Invest. Vous pouvez me faire une casquette bet to invest Je marche dans la rue avec une casquette Bet2Invest. Je vais dans tous les points euh, où ils font du, euh, du casino en ligne ou du. Euh, parce qu'ici, en fait, le poker n'est pas légalisé, en fait. Ou alors, le prochain, la prochaine fois que. Euh, le poker. Pourquoi je parle poker Oui, en plus, oui, c'est vrai que ce que je dis pour le poker, mais. Plus Paris sportif. Il faudrait que j'aille dans des points Paris sportifs. Euh, que, que je trouve le moyen de leur en parler pour que. Oh Beto Invest, euh, voilà, soit, soit, soit connu. Mais. Euh, dans quelques mois, peut-être, bah, avec plaisir, hein. Après, je ne sais pas où je serai dans quelques mois. Hein. Moi, je serai peut-être en Colombie. Non, je ne sais pas où je serai, vas-y. En euh... oui, je serai là, mais. Mais ouais, ouais, ouais faire connaître. Parce que vous savez ce qui est Je vais vous raconter une anecdote. Allez, on part anecdote. Allez. Euh, les paris sportifs ici en Équateur sont, on va dire. Enfin, ils en parlent. Ça, ça fait un an que c'est, entre guillemets, autorisé de parier en ligne sur les paris sportifs. Peut-être un an. Peut-être même un peu plus qu'un an maintenant. Mais en tout cas, c'est récent c'est moins de deux ans. Et donc forcément les paris sportifs pour eux, enfin pour le peuple équatorien, c'est quelque chose d'assez nouveau quoi, forcément c'est, euh, j'imagine que c'est peut-être comme en France il y a 10 ans ou 15 ans, je sais pas, c'est dur à dire un chiffre, mais en gros, en gros c'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour eux, tu vois. Et c'est vrai que l'an dernier, je suis allé faire un tournoi de poker euh, dans un petit cercle, alors pareil, le poker n'est pas légalisé ici, mais en gros il y a quand même des petits cercles d'organisation, euh, et pourtant sur les réseaux sociaux, genre Shark TV, ça fait des vues et tout, et voilà, c'est organisé en Équateur. Donc ça se fait, après c'est juste que c'est pas officialisé, enfin c'est pas. Ils le montrent pas trop publiquement quoi. C'est-à-dire que quand tu vas de l'extérieur, tu vas au tournoi de poker, il y a quelqu'un qui t'accompagne à l'entrée jusqu'à là-bas. Moi d'ailleurs je me suis chié dessus la première fois que j'y suis allé parce qu'il y a un mec à l'entrée, ils étaient deux, et il y a un mec à l'entrée hein. qui m'accompagne donc j'explique en espagnol, dans un espagnol parfait, que bah, je suis là pour le tournoi de poker quoi. Bon, ils savent pourquoi t'es là en général, hein. Il m'a accompagné, il m'a fait passer le con, mais par, par des, des combles carrément, enfin pas des combles, des, euh, par une sorte de cave, un truc, j'étais là, je me dis, mais attendez, il, en fait, il, je suis tombé dans un guet-apens, ils vont me séquestrer, ils vont demander une rançon à mes parents, et comme mes parents ils ont pas d'oseille, et ben ils vont jamais payer, ils vont finir par me muter. Donc je me suis dit, putain, c'est chelou, et, et au final il m'a fait passer par un chemin qui mène derrière un espèce de grand bâtiment, c'était un peu caché, une salle, et c'est et là que le tournoi a eu lieu, donc après j'étais content, j'étais là, j'ai joué le tournoi. Et, euh, et c'est vrai que ça commençait à parler donc paris sportifs, tu vois. Et là, quand je les ai entendus, alors je me rappelle plus trop des, de, de, de toutes les termes utilisés, mais les mecs, ils étaient là, tu les entendais parler, et ça se oui, voyait, et c'est pas contre eux, encore une fois, c'est pas une critique, mais ils étaient mais vraiment novices. Et pourtant, c'était des mecs, certains, ceux qui étaient là, c'était des mecs qui avaient de l'osaïe. Hein. C'est des mecs, a priori, pas trop cons, et pourtant, ils étaient là dans les paris sportifs, ils commençaient à parler parce que ça y est, les sites commençaient à se monter. Euh, des, de, des, des bookmakers locaux hein, comme chez nous Unibet, BetClick, bah, chez, ici en Équateur, il euh, y a plusieurs noms tu vois, de, de bookmakers, mais voilà, c'est spécialisé pour les équatoriens. Et quand tu les écoutais parler, bah forcément, c'est nouveau pour eux, il n'y a pas de notion de tour tour joueur. Euh, c'était euh, voilà, Ils parlaient un peu comme, euh, comme certains tipsters euh, parlent en France, du style Alors ouais, moi j'essaye euh, de combiner trois matchs pour arriver à une cote minimum de 1,50. Euh, plus les cotes sont basses, plus euh, elles ont de chances de passer. tu Enfin, ils avaient des raisonnements. Évidemment qu'ils sont pas cons en soi, mais que forcément s'ils comprennent pas juste le tour autour joueur, euh, bah ça, ça, ça nique tout en fait, enfin, c'est ça la, la base un petit peu, c'est ça qui fait la cote, c'est ça qui fait que si la cote est bonne ou quoi, mais, mais franchement je les écoutais parler, et c'était, mais euh, voilà, c'est quelque chose de nouveau pour eux ici quoi. Et j'étais halluciné du, du niveau, enfin, comme quoi il y, y a beaucoup de chemins. Enfin, ah, personne a, a énuméré Pinnacle, personne n'a dit Ah oui, mais les books, euh, je sais pas, euh, si tu commences à trop gagner, te limites. alors que c'est la vérité. Il euh, n'y a personne qui, 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 a, qui a dit des trucs, on va dire, banals, qui fait que. Voilà, c'est. Euh... Voilà. Voilà pour l'anecdote. J'aimerais bien me rappeler d'ailleurs de quelques phrases qui ont été sorties qui m'ont choqué par rapport à ça, enfin qui prouvaient à quel point c'était un milieu nouveau pour eux, quoi. Donc forcément, si tu fais connaître, je pense qu'il y a vraiment, en vrai, en Équateur, je pense qu'il y a zéro parieur pro, vu que c'est quelque chose de tout nouveau pour eux. Je pense qu'il n'y en a vraiment aucun qui s'est développé et qui est vraiment pro. J'ai quand même regardé quelques influenceurs en Équateur et les seuls influenceurs, c'est genre des influenceurs du style, du style un peu, enfin comme qui l'autre qui vend du rêve là. Paul suit ça en mode, euh, je sais pas, euh, suivez-moi, genre, tu sais, ça poste des, du casino en ligne, euh, un peu de poker, un peu de paris sportifs, et le mec, ouais, suivez-moi, c'est sûr que grâce à moi vous allez être riche. enfin, vous savez, les trucs débiles du style, voilà, euh, moi j'ai réussi en partant de rien, maintenant je suis très très riche grâce aux paris sportifs, euh, je vous partage ma stratégie, et j'ai contacté un gars comme ça et putain, je voulais savoir un petit peu son business model, quoi. Et du coup, je me suis intéressé. J'ai contacté un gars sur Telegram qui avait une grosse commu, du coup, a priori en Équateur. Enfin, en croire des followers, même si je pense que c'est que du fake. Et pareil, le mec, il m'avait demandé Ah bah ok, alors tu commences, en gros, fallait lui envoyer de l'oseille. Fallait que je lui envoie 1000 balles minimum. Et en gros, enfin, euh, alors je sais pas s'il fallait que je les envoie à lui ou si je les envoie sur un compte pour jouer. Mais en gros, ouais, envoie-moi 1000 balles. Et putain, le message, putain, dommage que je l'ai plus parce que sur Telegram, moi, je les supprime au bout d'une semaine. Mais c'était mythique, quoi. C'était vraiment. Euh... Du foutage de gueule complet, c'était vraiment. Voilà, t'allais déposer 1000 balles, t'étais sûr de plus jamais les revoir, quoi. Et forcément, il hein, y a, y a des, quand même des gens qui ont de l'oseille. Ici en Équateur, il suffit de prendre quelques pigeons tous les mois et le mec, il se met bien. Hein. Il se met bien grâce à sa communauté en les prenant pour des cons. Mais c'était en tout cas assez, euh, assez épique. Bref, je, je n'ai pas été méga précis sur l'anecdote, mais bon, voilà, enfin, je, je vous la raconter euh, comme, comme je l'ai vécu. Euh, sinon, que dire que dire, on est déjà une heure et demie de stream, hein, on a beaucoup parlé Beto Invest, on a parlé des, des alertes, de, des cotes d'ouverture. Bah, attendez, regardez. Waouh. Le dimanche, c'est ce dimanche. Dimanche 3. Putain, regardez, c'est 1800 balles un hein, Paris quand même. Hein. La cote à 1.54, c'est une belle liquidité quand même. Hein. Putain, même en early, il y a de belles liquidités, ça fait plaisir, ça. Ça me rassure. Ça me rassure beaucoup même qu'en early euh, Ligue 1. Euh, bon là on est. Enfin, on est encore en early, mais. Euh, mais genre sur l'autre match, Paris-Nice, il y a 1000 balles quoi. Ça, ça, elle est belle, hein. Paris-Nice, hein, 48. 1000 balles. Ouais, c'est ça, 1000 balles. Ma putain. Ça, c'est très rassurant pour moi, ça d'ailleurs, quand je vais me remettre à faire un peu la Ligue 1, Ligue 2 ou Ligue 2. Qu'est-ce qu'on a en Ligue 2 3 que Villy. 3 que Villy. Et ouais, c'est. Oh là 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 là. Putain, regardez. Mais regardez l'ouverture. À 3,57, ça a ouvert. Vous vous rendez compte un peu 3 QVI D'ailleurs, ça, c'est un putain de match à under. Putain, ça, c'est sorti à 2. Putain, c'est sorti à le nul. Putain, le nul. Bon, là, il n'y a que 300 balles. Hein. Le match, il est samedi. Euh... Yo, Jacques Breland. Oh, bah tiens, Jacques Brelan, c'est un, un, un top reg viewer, ça. Je, je reconnais. Merci pour ton premier message. Bonjour, que veut dire liquidité sur un match C'est la somme max qu'un joueur peut parier. C'est ça. Alors en gros, pour, pour te donner un exemple, euh, ici, on va prendre le match 3QVI, parce que bah, je, je suis dessus. Là, tu vois que le Betmax est de 300 balles. Le Betmax te donne un indicateur sur la liquidité générale qu'il y a sur ce marché. C'est-à-dire que plus le Betmax ici, il est haut, au plus il y a des liquidités. Ce qui va se passer, c'est que sur des matchs, euh, par exemple, sur des, euh, sur des, des divisions en Bolivie, enfin, divisions de niche, des fois, tu vas avoir un bet max à 50 balles, 100 balles. Et en gros, qu'est-ce qui va se passer Ça veut dire que oui, à cette cote-là, la cote à 3 que tu vois là, le bet max que je peux mettre sur Pinnacle, à cette cote-là, est de 300 balles. Ça veut dire qu'une fois que je mets 300 balles, imagine, j'ai envie de parier sur le nul cote à 3, là, sur ce match, sur PS38-38, donc qui est l'équivalent de Pinnacle. Hein. En gros, ce qui va se passer, c'est que je vais poser mes 300 balles à cette cote à 3, et la cote, elle va chuter. Et en gros, c'est comme ça que, que fonctionne Pinnacle, c'est-à-dire qu'en gros, c'est les joueurs. Qui font bouger les cotes et c'est à dire que forcément plus la liquidité est haute, imagine qu'on va sur un match de Ligue des Champions, je veux parier sur un match nul, peut-être que le bet max sera de 5000, 10000 si on se rapproche du coup d'envoi. Plus on se rapproche du coup d'envoi, plus le bet max sera élevé et donc plus il y aura de liquidité sur ce marché. et En gros, au moins euh, un parieur aura une influence sur la cote, c'est à dire que si le bet max est à 10 000 euros, imagine je sais pas, je veux parier match nul sur un match de Ligue des Champions avec beaucoup de liquidité proche de la cote de fermeture, imagine le bet max il est à 20 000. Bah ben moi si j'arrive et que sur cette cote à 3 avec 20 000 euros de Betmax, si moi j'arrive, je mets 100 balles, 200 balles, 300, même 1000 balles, et bien en gros, il y a tellement de liquidité, le marché sera tellement précis à ce moment-là, en moyenne, qu'il n'y aura même pas d'incidence directe sur les cotes avec mes 1000 balles alors qu'il y a 20 000 balles de liquidité quoi, en Betmax. Et donc, plus le Betmax est petit. Comme ici, par exemple, 300 balles, mais des fois, ça va être du 100 balles, des fois, ça va même être du 25 balles en BetMax, max, ce qui est rare, mais ça arrive. Et ben, en gros, plus le BetMax max est petit, au plus quand toi tu vas parier, tu vas avoir une incidence directe sur la cote, sur le marché mondial, sur, sur, sur cette cote, sur ce marché. Donc voilà, est-ce que j'ai été clair Et, et d'ailleurs, il y aura, il y a, il y a, je pense, que que to Invest a fait déjà des articles là-dessus, peut-être, je sais pas. On a déjà lu en direct ici euh, un article, celui-là notamment sur le ROI que j'ai trouvé euh, super intéressant. Mais euh, on, on, on regardera bah demain. Demain, ce sera spécial to Invest 2. Du coup, je vais l'appeler. Aujourd'hui, c'est la Special Beto Invest 1. Demain, spécial to Invest 2. Oui, en gros, voilà. En gros, oui, Jacques Brolin, En gros, pour, pour te la faire très simple, Bet, euh, Pinnacle est le seul un des seuls bookmakers au monde. Bon, on va dire le seul qui ne limite pas les joueurs gagnants, mais c'est pas parce qu'il ne limite pas les joueurs gagnants, ça veut pas dire que tu peux quand même mettre si tu veux un million sur un match comme ça, tu vois, genre en mode ouais, super, allez, on met un million dessus. Bah non, ça marche pas comme ça. Les joueurs gagnants ne sont pas limités, euh, leur compte n'est pas limité, mais le BetMax max, oui, il l'est en tout, en tout cas sur X côte, tu peux mettre le BetMax max qui est affiché. Ça. Alors, des fois, c'est 100 balles, des fois, c'est 300. Et en gros, moi, ce que je fais par moment, c'est pour ça que des fois sur les marchés de niche je check des fois des, des matchs euh, le jour même ou du jour pour le lendemain, parce que j'attends que la liquidité augmente, pour pouvoir mettre par exemple mes 300 balles, 500 balles, 600 balles, tout dépend ce que je veux parier dessus, Ma, mon unité de mise je l'estime à 300 balles, je mets en moyenne 200 balles, 200, 250, voire même 300, là il y a un dernier bet où j'ai mis, perso, j'ai mis 300 balles sur un match nul, parce que vraiment la cote je la trouve abusée, trop haute, mais voilà en gros ça, ça, ça tourne là-dessus, des fois je mets 500 balles, 600, des fois ça peut m'arriver de mettre plus si vraiment c'est des grosses values sur des petites cotes. Mais, euh, mais voilà, enfin, en tout cas j'espère que ça a répondu à, à la question. Mais oui, c'est capé en termes de bet max. Et, et par contre, après une fois que la cote elle chute, tu es libre à toi de pouvoir remettre. Hein, C'est-à-dire que là, si on reprend l'exemple ici, là je peux mettre 300 balles à cote à 3, c'est le maximum que je peux mettre sur PS3838. Je mets mes 300 balles cote à 3, et là la cote elle va fluctuer et elle va baisser, donc elle peut chuter à, je sais pas, bah, allez, admettons qu'elle va chuter à 2,97, et ben bah, une fois qu'elle a chuté à 2,97, moi je peux remettre 300 balles à 2,97 si je veux, et du coup j'aurai une cote moyenne entre les deux, tu vois. Et pareil, si j'ai envie de remettre 300 balles une fois que je fais euh, chuter la cote de 2,97 à, euh, je sais pas, 2,92, j'ai un exemple comme ça, bah pareil à 2,92, je vais pouvoir remettre jusqu'à ce que, <laughs> jusqu'à ce que mort s'en suive, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, Jonathan qui dit la cote de Paris contre Lyon, on peut la prendre à combien en minimum et max sur le point fr, genre sur Winamax par exemple, enfin etc. Bah Winamax, tout dépend. Si t'es un joueur ultra perdant euh, qui a déjà gagné, euh, fait perdre énormément d'argent, euh, enfin qui a fait gagner énormément d'argent à Winamax, tu pourras mettre 100 000 euros sans problème. Forcément, ils vont te laisser mettre 100 000 euros euh, sur, euh, sur une cote sur Winamax si ben tu leur as fait gagner déjà beaucoup d'argent en prenant des codes de merde. Si par contre tu as un compte limité euh, parce qu'ils t'ont déjà limité et que tu peux même pas mettre un euro, bad. parce que là, tu peux mettre 0. Et sinon, euh, ça dépend. Enfin, sinon, je sais pas. Je pense que c'est. Ça dépend de comment euh, Winamax te, cata que a, te, te catégorise. Pardon. Si t'es un joueur ultra perdant qui, qui, qui a drop une tonne, ah bah tu peux mettre 100 mille euros sans problème. Hein. Ils, vont te, ils vont te laisser Winamax mettre 100 mille euros parce que tu l'auras déjà fait gagner peut-être le double ou plus. Donc, euh, Jonathan, c'est propre à chaque book. Je sais que le max. Il va être limité par exemple sur PMU. J'ai pris un bet récemment. J'ai collé un tipster euh, sur PMU. C'était une cote à... C'était quoi J'ai pu mettre que 119 par exemple sur PMU. Sur un match de rugby. Ah, Angleterre-Argentine, oui. Angleterre-Argentine. Bah voilà un exemple. C'est Angleterre-Argentine. Alors attendez, on va, on va, je vais vous montrer l'exemple. Euh, England. Au rugby. Euh, Angleterre-Argentine, j'ai pu mettre 119 euros. En tout cas, c'était sur mon compte Betmax affiché. C'était ah bah, celui-là. Je l'ai eu à 2,05. PMU qui a sorti un peu haut par rapport à tout le monde. Euh, voilà, c'était ici. Je l'ai eu à 2, je crois que c'est 2,05 si je dis pas de conneries. Je l'ai eu à 2,05, donc plus haut que le .com, ce qui est quand même bon signe. Même si bon, le TRJ, il est overall, il, il fait mal là voilà il y a quoi du 95 93 ok ouais tiens c'est quand même des TRJ bas je l'ai eu à 2.05 et j'ai pu mettre que 119 voilà ils m'ont capé à 119 bon bah voilà je peux pas mettre plus sur PMU tu vois donc Amagis qui nous dit sur PMU le Betmax est indiqué il me semble même assez rare en Argelba moi je trouve ça cool que ça soit indiqué euh, le Betmax au moins bah tu sais combien tu peux mettre mais bon après ça dépend enfin après le Betmax je l'ai trouvé un peu bas mais bon après en même temps on est sur du early market c'est même pas sorti sur Pinnacle donc à partir du moment où il n'y a même pas de, de repère, on va dire, pour les bouquets qui est pinnacle, qui va être en moyenne le bookmaker, qui va avoir le tour retour jour le plus haut, et qui vont être les plus précis en moyenne, bah forcément que bon, s'ils font une erreur de cote, au moins, ils perdent pas trop. Tu vois, donc ils limitent, moi ils m'ont limité, j'ai mis les 119 parce que ben, c'est le bet max, et voilà quoi. Au moins, s'ils font une erreur de cotation, au moins, ils perdent moins. C'est ça aussi l'avantage, enfin pour eux en tout cas, si je me fais l'avocat du diable, pour ne pas se faire niquer quoi. En tout cas, c'est cool. Jacques Brelan, ça vient d'où Dites-moi d'où vous venez, les gars, ça m'intéresse. Euh, tous ceux qui m'ont jamais répondu, euh, j'aime bien faire ça en général en début de stream, même si ça fait longtemps que je l'ai pas fait. D'où venez-vous Moi, je viens de Sainte-Maxime, dans le Var. Dites-moi d'où vous venez, ou où, où est-ce que vous habitez aussi Sinon, je suis à Quito en ce moment, en Équateur, à la capitale équatorienne. Et dites-moi, hein, bon, je, je sais qu'il y en a déjà plein, je sais, parce que vous me l'avez déjà dit. Mais ceux qui ne me l'ont pas dit, euh, ça m'intéresse de savoir d'où vous venez, d'où vous habitez. Beaucoup de gens du Nord. Il y a beaucoup de gens du Nord aussi. Euh, ah bah tiens, j'ai eu un. The Winner Puck, tiens, qui vient de mettre un bet. Euh, voir. David qui vient. Non, vous venez, n'hésitez pas à dire dans le chat avant qu'on qu cut, tranquille. Là, on a fait un petit 1h40 de live. C'est très très bien. Demain, ça va être la même. Demain, Poker Crusher, hein, à partir de 17h30. Euh, je, je vais stream. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière parce que je n'ai pas stream mardi. J'ai eu un énorme imprévu. Où j'ai pas stream du tout mardi euh, dernier, vous vous en rappelez. David, oui, Toulouse, la ville rose. Ouais, j'ai pas pu stream mardi dernier, et du coup, ben, c'est le jour où je le streamais sur -twin, euh, sur euh, Poker Crusher aussi, ben, je l'ai pas fait du coup. Mais je vais le faire demain, euh, en espérant qu'il y, qu y ait du monde demain. Euh, voilà, 17h30, euh, je, je vais stream pour eux. J'aime bien parce que c'est un peu un nouveau concept. Euh, on, on regarde une vidéo stratégique avec eux, mais aussi on regarde sur Poker Crusher le contenu. On réacte des vidéos de d'autres contenus poker, un peu comme je fais là le mercredi et le vendredi quand on réacte des vidéos YouTube sur les paris sportifs. Ben, sur leur chaîne, ça, ça va être la même chose, mais pour du poker, avec évidemment, on regarde quand même du contenu, euh, euh, j'allais dire intéressant, voilà de qualité et voilà quoi. Alors Jacques Brelan qui me dit « Nice, c'est ta chaîne, je l'ai découvert via Richou. » Ah oui, euh, son interview Richou, je m'en rappelle. Je m'en rappelle très très bien. C'était cool d'ailleurs. Je crois. Et sinon, les paris sportifs, j'ai perdu une tonne après des grosses perfs. Ah bah ça c'est le classique. Après des grosses perfs poker et depuis je parie plus. Mais j'aime bien me renseigner sur tout ça. Bah t'as bien raison. Euh, voilà, de hein, euh, toute façon, peu importe ce que vous faites, hein, même si vous êtes un parieur gagnant, pariez ce que vous êtes prêt à perdre, euh, voilà, euh, gérez bien votre bankroll, et ça je sais que c'est bateau, mais c'est bien la vérité, moi, euh, c'était l'an dernier ou il y a deux ans déjà, je me rappelle plus, je me suis complètement enflammé par rapport à des modèles que j'avais, où je me suis dit « ouais, c'est sûr que c'est gagnant, c'est sûr que je vais me gaver », où j'ai parié vraiment trop gros, et j'ai eu un bad run, je me suis cassé la gueule, et ça fait mal Bonne journée, on se revoit dans tes réactes vidéo. Passe une bonne fin de journée. Bonne journée à vous tous. Merci beaucoup, David, et à très vite. Bah en tout cas, cool, Jacques Brelan06. Je sais que je te vois beaucoup sur. Enfin, euh, des fois, quand je passe sur d'autres streams pendant 5 minutes, je te vois discuter. Bon, après, euh, donc je sais que tu es un reg, un reg de Twitch parmi les viewers. Et donc, ça fait plaisir euh, plaisir que tu sois là. Merci, merci d'être là. Euh, bah, écoutez, euh, qu'est-ce qu'on peut se dire là On peut avant de, avant de se quitter, les gars, 5-10 minutes, qu'est-ce qu'on peut se dire Dites-moi. Est-ce que vous avez une question ou autre, Ovina? Au je m'occupe de ton cas par rapport à. Ah, vous avez du courrier. Non, et ouais, j'attends que la personne me réponde pour, pour voir euh, que le fait que tu n'arrives pas à déposer sur sur sur, sur Piwi. A voir. Hein, je. Moi, j'avoue, je fais n'importe. Mais après, encore une fois, les paris sportifs. Si tu joues pour t'amuser un peu, si, si tu vois les paris sportifs comme un casino en ligne. Mais, mais, mais t'as le droit en fait, tout, tout point de vue est respectable du moment que la personne se met pas dans la merde. Genre moi je vais pas, j'insulte pas, je ne méprise pas quelqu'un qui fait un combi. Par contre je, je peux le mépriser si jamais il vient me voir, que je lui donne des conseils, je, je lui explique pourquoi, à quel point les combis c'est EV moins. J'ai fait une très bonne explication même d'ailleurs sur la chaîne de Richou, même sur ma chaîne Twitch sur les combis, euh, pourquoi c'est euh, grave perdant. Et si le mec le fait quand même, alors que je lui donne le conseil, bah là oui, là par contre je vais lui dirais, écoute, là tu me prends pour un con, c'est-à-dire que tu t'en fous de gagner, tu veux juste vibrer. Mais encore une fois, c'est respectable. Celui qui joue, il a envie de poser 50 balles par mois, 100 balles par mois, il a envie de se faire un gros combiné sur Winamax, avec une cote à 1000 ou j'en sais rien, pour le fun, bah... Fais-le en fait, mais, mais juste faut être conscient que faut le voir comme du loto dans ce cas-là. Voyez-le comme du loto dans ce cas-là, les paris sportifs, ou comme du casino en ligne. Par contre, si tu veux espérer mettre le maximum de chances de ton côté pour être gagnant sur le long terme, bah déjà, si tu fais ça et que tu n'as même pas un compte sur ps 3838 il 38, y a un énorme souci. Enfin, si tu peux pas, déjà, enfin, tu peux pas. C'est euh, complexe. À la prochaine, et moi j'aimerais bien que tu me dises. Ce que tu penses des bêtes, nombre de buts, car j'avais le sentiment que c'est le truc le plus intéressant à l'époque, mais j'ai découvert que c'était ultra sous coté en réalité. Le bête, tu veux dire les over-under ou le nombre de buts exact euh, En général, c'est très rakeé, hein, c'est pas ouf hein, comme, comme truc. Avec un logiciel de stat foot, genre en vrai les 4 buts ou plus. Ah, tu veux dire over-under alors ah oui, tu parles des over -under, pardon, tu parles pas de nombre de buts exacts. Non mais les over-under, au bon, moins, c'est un marché que, que je fais, c'est très très bien, hein. d'ailleurs je continue à peaufiner euh, mes stratégies sur les over -under pour être le plus précis possible, mais oui, je, je prends euh, dans mes bêtes perso, j'ai du 1x2, Asian Handicap et over-under, c'est principalement sur ça que je bet, hein. c'est le nombre de buts, enfin le over -under, euh, voilà, pareil, j'ai des modèles qui me, qui me donnent un nombre de buts espéré, et en gros, par rapport au nombre de buts espérés, je peux le rentrer dans une calculette, qui me dit, ben voilà, s'il y a, par exemple, je sais que s'il si va y avoir en moyenne 2,4 buts dans ce match, ben je sais que le under vaut 1,7 à peu près, tu vois. S'il y a que 2 buts, ce qui est vraiment un match à under, 2 buts espérés, donc en termes de V, comme au poker, enfin c'est de lever, euh, et ben ça veut dire que l'under, il va valoir un 45 jusqu'à un 50, quoi. Enfin tout dépend de, de plusieurs paramètres. Euh, s'il y a 3 buts dans le match, en termes de buts espérés, j'aurais imagine, je sais pas, Lyon-Paris, tu estimes que le résultat final, ça va être. Euh, 2,5 pour Paris et 1,5 pour... Euh, non, non, ça, ça fait pas 3, pardon. Euh, ça, 2 pour Paris et 1 pour Lyon, en termes de buts espérés, encore une fois. et eh ben là, je sais que 3 buts, ça va être un over. L'over, il va valoir dans les 1,65, 1,70. Voilà, encore une fois, c'est pas précis, mais c'est un, une fourchette, parce que ça, ça dépend encore de plusieurs choses que, que je, je suis en train d'étudier. Mais ouais. Euh, voilà, bah, j'espère que ça a répondu à ta question. Euh. 1h50 de stream. Mais ouais, les over-under, d'ailleurs, je suis content. Parce que. Enfin, enfin je suis content. Merde, j'ai ouvert un truc que j'aurais pas dû. Enfin, je suis content. C'est quelque chose que je suis en train de plus peaufiner en ce moment, d'ailleurs. Plus que les 1x2, d'ailleurs, parce que j'estime être assez en place au niveau de mes stratégies. Bon, même s'il y a toujours des progrès à faire. C'est logique. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'essaye d'être. Je... je peaufine beaucoup plus mes stratégies sur les over-under. Parce que je vois que récemment, j'ai fait des erreurs en tout cas, que surtout par rapport à la cote de fermeture, il y a des fois j'ai mal coté, on va dire, certains matchs. Et voilà, et le but c'est d'être le plus précis possible dans le but que, voilà, dès qu'il y a une grosse marge d'erreur, avec ta projection, si elle est très précise, et ben du coup, tu sais que tu es sur une value ou pas, quoi. Oui, oui, je vois bien le raisonnement. Merci pour tes réponses. Bah, ben, ben, de rien. Merci à toi. Euh, alors, on est combien euh, On est 21 495 followers. Putain, les 1500, ils sont durs à atteindre, hein Putain, important, on est là tous les jours, du lundi au jeudi, hein, à partir de 16h, les gars. Euh, semaine dernière, donc j'ai fait que 3 streams. j'ai pas streamé mardi pour des raisons euh, perso. J'y vais, bonne fin de stream. Je t'enverrai sur Discord ton code d'affiliation dès que ça sera disponible. Bah, merci, Broken Files. Donc voilà, j'aurai un code d'affiliation hein, pour tous ceux qui voudront prendre euh, le service. C'est bientôt, hein, ça arrive bientôt. Tous ceux qui veulent prendre un service euh, sur, par exemple, les codes d'ouverture Pinnacle. L'abonnement, enfin, je ne sais pas sur quoi d'ailleurs, donc je ne m'avance pas. Je les laisserai me, me, me dire. Et une fois qu'ils m'ont dit, je pourrais vous renseigner. Mais en tout cas, voilà, la, la, une des grosses forces de, de Bet2Invest, encore une fois, c'est les alertes sur les codes d'ouverture Pinnacle. Ça, c'est vraiment une grosse force, ce service. Et c'est le moins cher du marché. Et le mieux, je vous ai déjà montré via Telegram. Donc, vous regarderez mon live en replay sur ma chaîne YouTube dès que la chaîne est postée, enfin, dès que la vidéo est postée. Euh, Qu'est-ce qui est énorme, évidemment, c'est les tipsters. 100% pinnacle c'est à dire que là c'est que des euh, j'ai envie de dire c'est que des bilans euh, vraiment certifiés ça prend en compte la cote de pinnacle seulement et en temps réel c'est à dire que vraiment celui, c'est un peu la fin du jeu crush pinnacle les gars, hein. les gars crusher pinnacle dans les paris sportifs sachant que c'est le seul bout qui ne limite pas les gagnants c'est un peu comme la fin du jeu c'est euh, je sais pas t'arrives à un jeu c'est la fin du jeu c'est à dire que si tu gagnes pinnacle euh, c'est top c'est la fin du game c'est ce qui te limite pas donc après tu pourras parier plus selon ta bankroll et, euh, et voilà, mais ouais c'est méga passionnant, méga méga passionnant, d'ailleurs on est où Oh putain Dorado il va me dépasser, pourquoi on est premier Ah parce qu'on est au moins 400, ah oh, putain je suis le mec avec le plus d'abonnés par rapport à ceux qui ont 400 bêtes minimum, mais de toute façon, non, le premier on sait qui c'est, c'est euh, Suspicious Game, énorme, 600, oh Replay qui est là aussi, ça y est, y a. ah non il a pas reposé de bêtes, ça fait un moment il est en season break, Jonathan, la cote de Paris sur le FR est la même. De... Tu parles de quel Paris Il y a, y a Paris-Nice euh... Paris et Lyon-Paris. Euh, ben, moi, je te conseille pas de prendre Paris. Là. La cote euh, contre Lyon, elle a chuté. Elle, est... elle, a, ouvert... elle a ouvert à 2,17 et elle est à 1,54. Euh, non, euh, pour moi, s'il y avait value, c'était c'était avant, c'est pas maintenant. quoi. Pour éviter de prendre des cotes qui ont déjà trop chuté, parce que forcément, ça veut très souvent dire que la value. Ben, elle est déjà partie, quoi. Fallait être réactif avant. Donc, euh, non, non. Euh, Paris à, à Lyon, euh, cote 1,54. Bah, après, encore une fois, faites comme vous voulez. Moi, hein. là, comme ça, même sans vérifier par rapport à mes, à mes modèles, je vous dis juste de ne pas prendre. Voilà. Et donc, euh, ouais, 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 non. Bah, tout, bah moi, je te conseille de ne pas toucher. Mais après, encore une fois. Après, on, dans les paris sportifs, on est beaucoup résultat. Si tu m'écoutes et que tu ne la prends pas et que Paris gagne, tu vas me dire, putain, j'aurais dû m'écouter parce que la cote passait... Alors certes, ça reste une cote qui va bien plus souvent passer que pas passer. Il faut savoir qu'une cote à 1,50, enfin une cote un qui vaut 1,50, ok, en enlevant la marge, ça veut dire que c'est une cote qui va passer, en termes de probabilité, 66% du temps. Donc oui, forcément, que la cote là, à 1,54, même si ça vaut, euh, imagine ça vaut ça, bah oui, elle va passer euh, voilà, euh, ce pourcentage de temps à peu près, hein, là. Ne bon, commencez pas à chipoter sur les pourcentages avec moi. Mais vous avez compris. Donc, forcément, euh, que oui. Que oui, c'est une cote qui va bien plus souvent passer que pas passer. Ce qui est, ce qui est logique. C'est est le marché qui veut ça. Enfin, c'est la, la probabilité de l'événement. Enfin, la cote. Parce que chaque cote est égal à une probabilité. Donc, voilà, cette cote veut dire que oui, que, que Paris va gagner souvent. Mais bon, après, euh, à vous de voir. Moi, je conseille de pas prendre parce que ça va pas être rentable à cette cote sur le long terme. A priori. Je dis bien a priori. Là, je te donne juste mon avis à froid. Et, euh, et voilà. Donc voilà, peut-être une dernière remarque. Qui c'est qui est là sur la scène poker là Putain, oh, Richou, ça marche fort. Là, on peut dire ce qu'on veut, les, les haters. On peut dire ce qu'on veut, mais Richou, 220 viewers, ça marche fort fort. Hein. Et il propose du poker. Euh, alors, il y a qui Office Kink On va, on va parler de Richou. Il y a Freeman Can, mais je le connais pas. Euh, food, il est pas là Pourquoi je le vois pas, Food ah bah tiens je sais où je vais vous emmener vu que ça va parler paris sportif, ok. Je sais où je vais vous emmener. Bougez pas, je vais vous emmener chez quelqu'un qui parle paris sportif, ok? Euh, merde, c'est où? Je vais vous emmener maintenant là tout de suite. Ça aussi, attendez, je vois c'est pas une question. Quelqu'un aurait une question? Ah y a pas des délires, genre le gardien qui le soleil dans les yeux, tel jour, telle saison? Ah, le gardien qui prend le soleil oui, bah après, là, ça, il faut faire au cas par cas. Hein. Là, il faut regarder la météo. Mais euh, bah, en vrai, oui, la météo a un impact tout de suite sur le nombre de buts espérés. Ça, c'est la vérité. Hein. Qu'il pleuve ou pas, euh, ça a un impact. Il euh, y a des articles là-dessus. Il faudrait que je les lise un peu. Peut-être que Pinnacle a fait des articles. Mais oui, 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 il y a un impact. Selon la météo, il y a un impact sur le match, euh, sur le match directement, euh, sur les buts espérés notamment. Euh, attendez, ne bougez pas, s'il vous plaît. Restez là. Je vous emmène chez quelqu'un qui parle tennis, qui parle... On l'a fait plus tourner la roue, franchement, pas, je vous dis la vérité, j'ai pas assez de soutien. Je, alors là, là on, va, on va être cash direct, hein, parce que moi, je m'en bats les couilles, hein, y a pas de, on, on tourne autour du pot. J'ai 18 subs ce mois-ci, euh, j'en avais 40 euh, les mois derniers, 35. Franchement, j'ai pas assez de soutien pour que ça me donne envie de vous faire tourner la roue et de vous offrir des cadeaux. J'estime que j'ai pas de retour, enfin que j'ai pas de retour, c'est même pas une question de retour, c'est si je le fais, c'est par plaisir. Je prenais du plaisir à faire tourner la roue et à vous faire gagner des trucs, Maintenant, moi j'estime de manière totalement honnête et transparente que j'ai pas assez de soutien, euh, que ça soit des dons, que ça soit des euh, subs ou ce que vous voulez. Donc franchement, je vous dis le lundi, je peux plus tourner la roue. Voilà, c'est comme ça. Parce que je paye de ma poche, j'ai pas de partenariat, c'est de mes sous. Ok, donc j'ai fait gagner plein de fois des free bets à 10 euros. Récemment encore, j'ai offert 6 balles euh, lundi dernier en freebet avec mes miles, avec mes sous. Euh, genre, à un moment donné, faut pas déconner, j'estime que là, c'est moi le créateur de contenu, c'est moi, c'est moi moi qu'on doit soutenir plus. Et là, franchement, quand je vois que j'ai deux fois moins de subs, euh, la roue. Comme as, hein. Ah ouais, non, à un moment donné. Et, et encore une fois, je vise personne, c'est en général, ne vous sentez pas visé. Ah merde, t'as été ban de Twitter, oh, t'as dû dire des dingueries, Jonathan. Non, non, mais après, vous sentez pas visé, je vise personne en particulier, je parle en général. Si j'ai plus de soutien, euh, je sais pas, euh, que, que, que j'ai plus d'abonnés sur Twitter faudrait le faire une fois par mois au pire ouais avoir non mais je sais pas ou peut-être le faire une fois et faire gagner plus pourquoi pas ça ça peut être plus fun on va dire faire gagner plus mais qu'une fois par mois pourquoi pas mais ce qui est sûr c'est que bah ben voilà les gars maintenant je vous dis la vérité j'ai un groupe privé j'ai un groupe privé si vous voulez c'est que ceux qui me soutiennent qui seront dedans et je vous partage en temps réel les bêtes que je prends alors à part euh, quand c'est euh, les bêtes sur Bed2Invest, les pics sur Bed2Invest. mais pareil j'ai envie de créer plusieurs groupes privés un groupe privé spécial sur bêtes. Un groupe. Ah, J'ai trop de trucs en tête. Vas-y, je vais pas tous les dire, mais... mais surtout en priorité ceux qui prennent l'abonnement. Euh, voilà, ceux qui s'abonnent pour prendre mes bêtes. Surtout qu'en plus, des fois, il y a des bêtes qui partent dans l'autre sens et des fois, vous pouvez avoir des cotes meilleures que moi sur d'autres books que le que le point comme pardon okay. que sur Pinnacle. Ceux qui prennent l'abonnement ici, euh, je sais pas, hein, il est pas cher. Hein. Ceux qui prennent l'abonnement et vous venez me voir à MP. Ceux qui prennent l'abonnement en plus, les gars. Là, là je, vais avoir, je vais être sur un ratio, j'ai l'impression que ce mois-ci je vais encore balancer, enfin depuis que je suis pro, donc depuis une semaine, s'il faut, il va, avoir, il va y avoir plus de 100 bêtes, ça vaut le coup au vu du prix, et ça sera même pas une unité pour, pour certains, voire même pas 0,5 unité pour certains de payer pour pouvoir suivre mes bêtes et mettre le maximum de chances de l'autre côté pour gagner de l'argent. Donc voilà, ceux, ceux qui prennent l'abonnement, ils intégreront un groupe privé spécial pour ceux qui prennent... Euh, Bet to invest, et du coup, je donnerai, je pense, des tips en plus et des, des conseils ou des, où je, où je vous dirai aussi sur quel book vous pourrez prendre et des meilleures cotes ou quoi. Voilà, à un moment donné, moi, je vais remercier que ceux qui me soutiennent. voilà. Et, et, et ça ne sera même pas super compliqué hein. ça sera, pour rentrer, ça sera soit via lien d'affiliation, soit celui qui est si moi, non, lien d'affiliation, je n'aime pas, euh, je ne sais pas quoi, et eh bien il me fait un don tous les mois. Il me, il me fait un don pour me remercier de mon travail, un don de 10 balles minimum par mois. Bah, ouais, ouais, j'ai pas honte. Voilà, c'est un don. Tu me fais un don. Es généreux avec moi, et ben en échange, tu sais que, que, que je t'offre ça par euh, voilà. Ouais, on, va, on va faire un peu des trucs comme ça. À un moment, donné, je vous avoue que là, j'ai voilà, c'est c'est comme ça. Je pense que ça va être très dur sur, sur Twitch. Je vous dis de passer partenaire qui était mon objectif. Je, je vois que ça fait longtemps et je vois que le nombre de viewers moyens et eh ben il augmente pas, même s'il baisse pas forcément. Mais euh... ah, tu veux dire, mais en, mais en, en, en grand, en gros, genre. Les, les viewers peuvent mettre les lots. Bah, s'ils veulent. Après, moi je sais que d'ailleurs, je remercie euh, hein, donc euh, qui est le média parieur, qui a déjà fait euh, tourner la roue et qui a fait gagner des lots. Et donc ça, c'était vachement cool. Et euh, donc voilà, donc, j'en étais où On va lancer le raid. On se retrouve demain. Spécial Beto Invest. On va lire leurs articles euh, des blogs. où vraiment, on va pouvoir euh, commenter leurs articles de blog demain. Et à 17h30 30, pardon, euh, sur la chaîne de Poker Crusher. En attendant, moi je vais vous envoyer chez Rode Tout Parieur Pro 1. Euh, qui fait que du tennis en live, je crois. Enfin, je crois, hein, allez voir avec lui, hein. peut-être que je me trompe. Mais n'hésitez pas euh, voilà, à voir un petit peu et à discuter avec lui. Voilà, vous pouvez vous présenter, discuter avec lui. Voilà, restez là, euh, je vais lancer le raid tout de suite. Et je vous dis, on se retrouve nous demain à partir de 16h. Salut à tous tout Gentil, tu vois, Federer, Nadal, Djokovic sont tous polis. Ils, ils remercient Dieu, ils remercient le public, ils s'embrassent, ils sont tous amis, frères, copains, ils vont faire la bourre ensemble. Tu vois, tout le monde fait <laughs> à, à l'époque, c'était inenvisageable ah ouais. que les mecs se parlent. Ils ne se parlaient pas. Connors, McEnroe ne se parlait pas, ils se crachaient dessus. Lendl, c'était pareil, personne ne s'adressait la parole. C'était une détestation totale. Même pas, quoi, imagine. Okay. Bon, peux avoir, mais c'était ah ouais. Et donc, toi, un gamin qui arrive sur un cours comme ça avec l'autre, Cyber euh, Franck, pour le, pour le, le, le raid. Se sur sa chaise -là. Il allait le voir comme ça, il le pointait du doigt, mais descend de sa chaise, il le défonçait tout ça. Le public sifflait ça, mais après il remportait un point complètement fou. Et là, à bah, toi, il célébrait ça comme ça. Il électrisait Le, le public, c'est lui. Personne n'a célébré d'une manière aussi. Ah, mais c'était comme ça avant, avant lui. Mon et... break d'entrée de, de Hoffner. Le truc, c'est que Borges manque vachement de. Il a zéro confiance. Il joue comme une pipe. Donc on va suivre la fin, mais. Semble compliqué. Manac a clutch le premier set. Et gasquet qui est un peu au bord du, au bord du gouffre là. Hein. 4-0 dans le deuxième.